possible. Ça va, mon kicker? Salut, mon chaton. Ça va. Attends. Je sais pas comment m'habiller. Faut vraiment que je refasse mes toutes nues. Hein. J'en ai marre. Ben, tu sais quoi? On va aller au plus simple. Voilà. T'as bien dormi, bébé? Et toi? C'était trop bon! J'aime trop ta tenue. C'est quoi? Ah, manger! Merci. De rien. Tiens, moi, je te donne ça. Super, merci. Je sais pas quoi en faire. Tu le mettras aux objets, machin. Ça va? Bah, ça va très bien. Tu me fais un petit câlin. Tu te veux pas? Non, mais sinon, Et bah. je m'en vais, hein. Je retourne voir ma grand-mère. Bon, tu restes là. Hein. Attends, viens, on va dans le salon. J'ai le dispatch, il est à 21h30. Ok. Et toi, il est à quelle heure? J'avais une 30 aussi. Ah ouais? Ouais. Ok. Maintenant, il est tout le temps à 21h30. Il est quoi? Maintenant, chez nous, il est tout le temps à 21h30. Ouais, ben nous aussi. Ils ont dit que finalement, ben. C'est pas plus mal, hein. Je te mens pas. Ben ouais, du coup. Clairement. Attends, je me sers à côté de toi. Au cas où, si Quoi? jamais t'as faim dans la soirée, n'hésite pas. Ah, n'hésite pas à quoi? À me demander. Pourquoi? J'ai un petit stock de pâteaux, quoi. Comment ça se fait? Avant-hier, il y a eu un cargo doc Ah oui, c'est vrai. rempli de plateaux repas. Et il y avait des intérimaires qui étaient là pour décharger. Le cargo a coulé. Ah mince. Parce qu'il y a eu une fuite. Et que du coup, tout le monde a dû fuir. Et il y a Ok. plein de containers qui sont tombés dans l'eau. Et du coup, tout le monde est parti. Parce qu'il commence à exploser le bateau. Et moi, on m'appelle Ça en va, le PS. On coup, me dit: tu oui, vas venir il y a aussi, un je t'ai corps dans le dit. bateau, il faut que tu viennes, Ayana. Ouais. Je viens, on me dit: ouais, bah tiens, prends une bouteille de plongée. Je dis: toi, tu sais ce Ça qu'il va, est? Il me fait: oui. Sushi? Et du Ah, coup, on plonge. bisous! Et là, il montre comme quoi que c'est au niveau des Attends, il y a la containers. musique qui passe. Et que il me dit: regarde au niveau des containers, normalement tu peux les ouvrir et ça doit être dedans. Je ouvre les containers, à part des plateaux repas, je n'ai jamais trouvé le corps. Et du coup, on finit de ramasser tous les plateaux repas. Je vais le voir, je fais: mais il est où le corps? Je fais: ah, mais le corps, il est dans le bateau, tu pourras jamais y retourner. Je fais: mais on m'a appelé pour ça, pas pour ramasser des plateaux repas. Bon, Je des fais: ah, choses mais moi je qui savais pas. t'arrivent, hein. Je dis: ben oui. Et du coup, il me dit: attends, mais Y a il plus faut son appeler Galaway alliance. là pour lui donner les plateaux. Et il appelle Galaway 3 fois, il répond pas. J'ai dit: bah, tu sais quoi, t'as Y a 400 plus son plateaux à alliance. vous deux dans le sud. J'ai Il est ramené où les son au alliance? poste sud. Moi j'ai 200 plateaux, je vais les ramener au poste nord. Ouais. Et du coup, bah, les 200 plateaux, plutôt que je les mette au frigo dans le poste nord, je les distribue au compte-gouttes. Parce que je les aurais mis avant-hier, 10 minutes après, il n'y en avait plus, quoi. Ben ouais, normal. Bah c'est gentil en tout cas, merci. Pas de rien. T'as enlevé ton alliance? Ouais. Ok. Ça va? Oui. Ok. Ça fait quelques jours déjà. Hein. Ça doit Ben, peut-être faire une semaine, au moins. je... Ah, j'ai une nouvelle tenue, en fait. Le Avec crime. tout ce qui se passe, je t'avoue, c'est pas, j'ai pas fait attention, Ouais. excuse-moi. Fais voir ta tenue. Attends. Ils sont mes tatouages. Ah oui, c'est vrai. Oh. Ça fait bizarre. Ouais. Je m'en rends compte. Du crime réunion. Nice. Toujours ces chaussures horribles, mais sinon le reste c'est Elles sont parfait. pas horribles, mes chaussures. Elles C'est sont mes meilleures forces. dégueulasses. Non. Mais du coup, on est tous habillés comme ça, la Merci crime. Au moins. Bébou. Trop bien. Merci Quand on beaucoup fait une sur le mois réunion. d'emmènement. C'est beau, hein. C'est juste ces chaussures. Non, vraiment, faut que tu arrives à faut trouver. En fait, ça te fait des pieds mobiles. Ouais, c'est ça, des pieds mobiles. Pieds mobiles, Mobile. en avant les histoires. Ouais, y a. Et du coup, ben. Moi, je vais voir pour récupérer la CRU. Ça veut dire quoi déjà, CRU? J'arrive jamais à m'en souvenir. Communication, relation, unit. Communication, relation unit. C'était d'accord. Faut que je m'entraîne parce que la dernière fois, je me souviens, il y a Peyton, elle a dit qui c'est qui veut de la CRU? Je la laisse.
vu qu'elle est devenue sergent Tiff. Eh ben nice. Mais bon, après, moi, ça fait une semaine que quasiment je suis pas là, donc peut-être ça a été de donner à quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. En attendant, je vais voir si je peux m'en occuper aussi, tu vois. Faut que je vois. Oui, mais après, tu peux toujours te renseigner. Oui, maintenant que je suis au Fillon, je voudrais aussi voir pour la canine. La canine, oui. Tu ramènes les bijoux? Ouah, t'as du ping, hein? Un peu, non? Non, j'étais en train de bailler. Ah. Enfin, dis-le si je t'ennuie déjà, c'est bien. Non, c'est vraiment pas par rapport à toi. D'accord. Du coup, ouais. Ben oui, la canine, j'aimerais bien. Tu penses que le bijou, il sera accepté? Coucou Yamashi. Non, non, non. Ah bon? Non, il va te passer un chien qui sera sergent. Bah, un bijou, il peut devenir sergent. À peu près, si c'est que Je suis ça. pas sûr que Bijou ait l'entraînement suffisant. Ben après, ça s'apprend, hein. Tout en tous les cas, on peut essayer quand même. Si je fais Ouais, bah Bijou à après, tu Tac, veux. il a Tac, hein. Attention, hein, c'est pas non plus le dernier Oui, des tu lui dis Titanic, coucher, il hein. s'assoit. Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'il est un peu monté à l'envers. Mais bon, quand même, je me dis. Attends, franchement, bouge pas. Bijou! Bijou! T'es où, bébé? Mon cœur! T'es où? T'es là? Bisous! Ah bah, t'es là! Ah, maman! Oh, que t'es beau! Oh, le beau bébé, il est beau! Regarde, montre-lui! Viens, viens, viens! Viens, viens, va montrer, viens! Viens! Oh là là! Regarde, déjà tu vas te suivre. Voilà, c'est bien. Bisous! Assis! Non. Il n'a pas envie. Non, mais monte pas sur la table. Non, mais monte. Mais vas-y, moi j'ai essayé de faire. Voilà. Sur la table, c'est bien. Non, bon, bah tant pis. Bon, bijou. Bien. Bon, vas-y, là, tu me fais du tort, là. C'est vraiment pas. Bijou, bien. Au pied. Bijou, fais un effort quand même, au bout d'un moment. Je peux pas faire mieux, hein. Bon, attends, je vais de l'autre côté. Bijou, au pied. Je vais l'enfermer à la SPA, en fait. Bijou, si tu viens. Bijou, viens. C'est bon, il voilà. Ah bah voilà, bah, ça, bah oui, mais je chouine pas trop non plus, parce que bon, c'est pas comme si ça faisait 3 fois que je te demande de venir. Oui, bah c'est bien, oui, maintenant tu me tues, là, oui. Assis. Non, mais assis. Voilà. Je te présente Bijou, sergent. Ça passe, non? Couchez Bijou, couchez. Couchez Bijou. Non, il aime pas. Hein. Je pense que c'est parce qu'il aime bien avoir les cacahuètes sur le sol. Mais quand il est couché, il les a pas. Bref, bon, c'est pas grave. Allez, va renifler. Ça sent quoi là? Vas-y, montre, montre un peu, montre. Il y a quoi dans les bouquins? Tu vois, il y a rien. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est mon toutou, ça. Ça, c'est du toutou. Il est où? Cherche-le. Cherche. Il est où, Ross? Cherche. 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 Il est où? Va te cacher. Il est où? Tant que j'allais me cacher, ça, il m'aurait déjà trouvé, je pense. Hein. Allez, vas-y. Cherche-le. Je vais te cacher ici. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres pièces dans cet appartement. Il cherche, hein? Ouloulou, qu'est-ce qu'il cherche? Oh là là. Oh, ben, c'est bien, ça. Hein. Ça, c'est un bon toutou. Ouh là là, il sniffe nous, hein. Ouh là là. Non, toujours pas. Tu veux pas y aller. J'étais vraiment dans la pièce la plus vide. Il a pas de piste. Ah, Ah, il t'a ça y est. trouvé. Il a pas de piste, mais il t'a trouvé quand même, hein. Enfin, voilà. Hein. Allez, va, c'est bon, tu m'as. Hein. Va te coucher. Ah, oh, faut faire des efforts, hein, quand même. Bref. Oui, ben oui, bien évidemment. Ça faisait longtemps. Ça t'avait pas manqué, hein. Bah non. Bah. Crois-moi, j'ai galéré. Hein. Oh là là. Oh là là, j'ai joué à Valorant. Eh bien, ça a été sympa, tiens. Voilà. Bon, mais c'est drôle. Moque-toi. Moque-toi. T'as raison. C'est pas bien de te moquer. Je me moque Bon. pas, c'est juste on rigole ensemble. Y a pas de moquerie. Non, je sais. Oula, 12 messages. Le conseil de loi, on oublie. Cory. Oh, Cory. Pétition de la destitution du maire à faire tourner au plus grand monde possible. Hein? C'est quoi Oui, il ça? veut faire destituer les maires. Pourquoi? Parce
parce que soi-disant, il pense... en fait, tout le monde pense que la famine, Gwenny! que Rocksound, etc., tout ça, c'est dû à lui, alors que non. Juste que les gens ne Ouais. sont pas au courant et Merci ils pour le prennent follow. un coupable et ils se disent que c'est à cause de lui. Ouais, ça pue ça. Après, bon, est-ce que c'est pas à cause de lui un petit peu quand même, non? Bonjour! Comment tu vas? De... Papa, la guerre, tout ça, ça fait longtemps qu'il aurait pu y mettre un terme. En même temps, il a voulu fricoter avec le diable. Et au bout d'un moment, Ah fricoter jamais avec le ça oui. diable quand on lui tire la queue. Là, quand tu sais qu'ils sont sur Rockwood, moi, ça me fout en rage. Oh là là. Ouais, moi je vais très certainement passer ma soirée là-bas. Ah bon? Bah. Tu fais attention, hein. Wow, J'ai oui, envie de t'inquiète. faire pipi encore, c'est pas possible. Le thé, hein, le thé. Hein. Non, là, c'est le café. Et puis, j'ai beaucoup bu aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Coucou, Darking! Bon, c'est pas grave. Je vais aller au poste. Je vais montrer Ouais, moi aussi. que je suis présente avant l'heure. Et puis on se retrouve après. Ok, on fait comme ça. Tu comptes faire une grosse soirée ou petite? Tu Pour dois l'instant, je sais rentrer. pas. Je Tu dois pense être pas que ce soit grosse là parce que vraiment beaucoup. les deux derniers jours étaient vraiment gros, 5 et 6 heures à la fin de service. D'accord. Bon, bah, tu me tiens au jus? D'accord. Tu fais attention. Bon, écoute, ouais, hein. On va faire du gratte-papier, hein. Puis tant pis, hein. Waouh, il fait beau, dis. Ah oui, C'est ta vrai voiture de processus. Bah attends, que j'ai j'ai ma déposé, j'ai déposé. voiture à la Mesa. À la Mesa. Oh, la Mesa. Oh, la flemme. Ouais, il faut que tu aies mis ça pour retourner à Rockford. Ouais. Zivrouki. Elle est plus, elle est officielle maintenant. Non, 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 non. J'ai vu une voiture chaton qui m'intéresse. Ah bon? Ouais. Merci le boulet. Non, le bouté. Elle a 85 000, mais c'est qu'une deux places. C'est un 4x4? Non. C'est un gros 4x4? Non. C'est bien si t'as un gros 4x4 en plus. C'est une berline. Berline coupée. T'en as déjà une, petite berline? T'en es une ou pas? Non, ça c'est une sportive. Pour moi, c'est plus pour la berline que sportive. Hein. Elle a combien? 85. T'as de l'argent? J'ai pas loin de 50 000 parce qu'il y a encore Mason qui me donne 2 000. D'accord. Donc, au fur et à mesure quoi. Ben écoute, tant pis, le 4x4, j'irai, je me débrouillerai. C'est pas grave, c'est toi plus plaisir. Je vais voir avec Brandon parce que je crois que Brandon il voulait racheter une voiture. Et j'ai de Bondas qui m'avance les Ça, 40 000 c'est un pour ça. Il m'a dit oui, live bah, dans la vie. vous savez, Oh, parti. ils sont fous, Au hein. final, bon, avec Alors, t'as apprécié de ouf. D'accord. Ben, tu me tiens au courant. Ben, si t'as besoin d'argent, je t'en donnerai pas. Moi, je vais acheter un 4x4. Oui, je sais. À tout à l'heure. À terre, moi, je t'en. Bisous. Bisous, je t'aime. Moi aussi. Aïe! Si je regardais la route, ça irait mieux, peut-être, non? Je pense. Je suis pas certaine, mais à mon avis, c'est mieux. Oh là là, j'espère que je vais avoir des patrouilles ce soir. Bogie, tripotin! Oh, ah! Aïe! Aïe! Ah, aïe! Mais ça va pas! Ah ouais, voilà. Donc c'est moi qui prends. Super. Ouais, je suis... Bah oui. Aïe! Ça commence très mal, hein. J'ai envie de passer par là, aucune idée. C'est pas grave. Les vacances. Ah oui, ça m'a détendu de ouf.
Oh là là, c'est l'angoisse. Elle va être épice aujourd'hui, Bobby. On va pas s'énerver. Aujourd'hui, on s'énerve. Aujourd'hui, c'est peace and love, les gars. Je vous le dis. Je t'envoie un son avant-première qui n'est pas sorti encore. Nice. Moi, je veux. C'est là. Hein. Ouais, c'est derrière. Bonsoir. Hey Bobby. Ça va? Bonsoir commandant. C'est où qu'on garde nos voitures? Ça pourrait aller, oui. Et toi, ça va? Ça va. C'est où qu'on garde les voitures? Juste là, Bobby. Ah merci, parce que je sais pas. Au courant. Bonsoir. Merci. Mais ben, t'es dans un sale état, ma pauvre. Hier, je me suis fait prendre en étage et on m'a tiré dessus. Ah, sympa. Ma dose. Je vais arrêter les brigands. Bon, tu vas aller me changer. J'en ai une qui m'a éclaté la moitié du foie. Enfin... Oh non. Mais t'es pas en arrêt de travail, là? Je vais quand même travailler. Ok. Bon, fais attention quand même, abuse pas non plus. Non, mais je vais voir avec le capitaine et je vais voir ce que je reste au pire des cas ici. Je ferai de la paperasse. Ouais. Tu me tiens en jus si t'as besoin de t'aide. Ça marche. D'accord. À tout de suite. C'est où déjà? Non, bah c'est là. Oh là là, okay. Oh, c'est mal barré. Hein. Là, on est où? 1. Donc les caddies sont là. 3. Non, ça c'est le. C'est au 1 ou c'est au 2? Ben, c'est au 2. D'accord. Donc c'est là. J'ai envie de faire pipi. Raconte sa vie. Parle quoi à voix haute? Tout va bien? Alors. Ouloulou, let's go. Hop. J'ai l'impression que la sensi de ma souris, elle est pas mise. Je suis pas à 800 DPI là, c'est pas possible. Je suis à beaucoup plus. Je vais regarder si mon G-Hub il est activé. Elle est clairement pas à 800 DPI là. Oh, j'ai plus besoin de mettre le gilet jaune. Alors, F10 en service. F4. Et 23-18, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quelqu'un pour patrouiller vu qu'il n'y a pas encore de dispatch? Dame 21 peut venir vous chercher si vous voulez. Allez. Ah c'est vrai, t'as mis les petites manches. Tu t'es empressé. Oui. C'est... Ouh, manche longue. Moi j'aime bien, je trouve ça beau. De quoi, les manches longues? Oui, mais je vais changer aussi. Hein. Oui, c'est vrai, t'es passé aussi. Mais oui, t'as ta tenue de rookie là. Ben ouais. Faut que je change. De toute façon, on n'a pas des cuissons, on n'a rien, on est d'accord. Ouais. T'es d'accord. C'est exactement la même chemise, mais sans la cravate. D'accord. Bon bah, nickel. C'est qui le monsieur? C'est 29. C'est qui 29? Elios. Elios Rodriguez. Mais il a coupé les cheveux? Oui. Ah, je le reconnaissais pas quoi, comme ça. Ça lui va pas. Hein. Les collègues? Oui. Allez, écoute. C'est bon, il est 21h07. Comment j'enlève cette putain de merde de New Camp V sur mon écran là? Ça me pète les couilles.
Pitié, pitié. Ah, halte. Non. Vas-y. Insert, supre, ou sinon shift entrée. Allez, mais ça ne disparaît pas. On y va. Ça ne disparaît pas. Y'a la bombe. 62 10-4. Viens en salle de dispatch, s'il te plaît. On part pour un braquage. Putain. Je crois que t'es informaticien ou quoi? C'est la touche home. Oui. Début ou fin, sinon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça me dit qu'il y a une nouvelle version et je m'en bats les couilles qu'il y a une nouvelle version. Reboot. Ah, il a le big message en haut à gauche là. Quoi? Bah, ça dispatch, j'arrive. Alt F4. Ah, c'est quoi ton matricule? Eh, hey, merci, c'est super. De t'as rien. T'es mis à pied 23. Non, bah non, on va pas commencer hein. moi je suis 23 du coup. Bonsoir. Ah, salut 23. Ça va? Ça va, moi je suis rookie 62. Mais vous me dites quelque chose, vous? Je vous ai pas déjà rencontré? Si, j'étais journaliste. Ouah, mais oui, c'est celui qui travaillait pour le journal qui est pas ouf, mais qui. Ouais, c'est ça, qui et vous, c'était vous qui étiez. Ouf quand vous y oui. étiez. Ah, d'accord. Oui. Enfin, vous l'avez glow, à part le journal, ils ont dû pleurer quand vous êtes parti, non? Oui, mais moi, j'ai pas m'amuser partout. Bonsoir, cher capitaine. Attends, il va connaître un downfall de fou. Du coup, là, il y avait quoi en fait? Il y avait un braquage? Ouais, braquage de caserne. Les brigands là! Ouloulou, on s'arrête! Yo, c'est carrément un malentendu. Moi, je suis juste venu voir c'était qui dans la caserne. C'est une Washington, okay, mais comme voiture? Nous. C'est une Seraph à l'intérieur. Attendez, je suis là, monsieur la police, je suis là. Attendez, je vais faire une vanne. Je vais faire le rookie qui comprend pas. C'est quoi comme voiture? Arrêtez-vous! Allez! Une Seraph? Si là en face. Oui, monsieur. Oui. Allez, oui. C'est fini! J'arrive à temps! C'était une vanne! Allez, j'en prends dans le véhicule! C'est reparti. C'était la petite vanne de 21h10. L'important là, 23. À 3 dans la voiture, ça va être compliqué quand même là. Alors 23. Oui. 23. Oui. Qu'on attrape la personne ou pas? Oui. Si, on passe un bon moment à 3. Salut Cassina, ça va? Il y a moyen de te demander quelque moins, chose? Au moins, on s'est amusé, c'est hein. Ce qui compte. Voilà. Bah oui, non mais c'est vrai hein. Bah voilà. Donc la phrase. D'accord. Ouais, mais à 3 ça va être compliqué, c'est pas grave. Non, mais c'est pour pendant vous, la poursuite. Moi, après, je m'en fous, hein, perso. Moi, je la trace jamais, 23. Les messieurs. Moi, 23, j'ai jamais patrouillé avec vous et j'ai jamais patrouillé avec 21. D'accord. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. Et du coup, c'est quoi votre matricule? 62. Tu peux m'appeler 76 Swayzan. D'accord. Plus, c'est une Seraph, on va bien vous rigoler. Vous voulez que je m'arrête, monsieur? Une Seraph, ça aussi? Allez, arrêtez-vous. Oui, on veut que brigand. Vous arrêtiez. Allez. Oui, je m'arrête. Ah, c'est bien. Ah, oh, bah, ça, c'est quoi? Ah, ouais. Ça on a gagné! Ah oh non, vous avez pu gagner! Ah non, il repart! Oh attendez, on remonte! C'est prank! Ah bah oui! Hugo 21, on peut rendre 56, une Seraph occupée une fois suite au dernier braquage de caserne. Seraph noir! Oh, il va mettre une pilule! Ouais. Allez, ça commence! On s'arrête! On s'arrête! Là, il est déjà loin, je me permets 23. Oui, c'est vrai. On s'arrête! T'inquiète pas, j'ai encore des réflexes. Tu sais ce que je pense? Si, à la station de pompiers, si on n'était pas là. Quoi? Tu vois le mec qui est arrivé derrière là? Oui, il allait se braquer. Ouais, voilà, je pense que c'était sûrement un North Nation comme ceux qui revendiquent. Oh là. Peu mal à la tête d'un coup. C'est tout droit, tout droit. Oui, je vois le. Il a pris à droite au petit parking de machin. Ça va les timings aujourd'hui, les voitures qui passent? Il a fait gauche. Oui, c'est sûr. Il a fait là, il a demi-tour. À il fait gauche. Ouais, gauche. Il est peut-être chihuahua. Les timings. Il est parti là en face, à droite. César. Pourquoi j'ai pas de chance aujourd'hui? Quel klaxonner? Il est derrière toi. Ouais. Bon gourmand va. Buisson, vous m'avez pas vu. Ah mince, t'as mis un buisson, oh là là. Il est super content. Monsieur! Veuillez autonome avant 21h30, du coup, n'hésitez pas à partir en service, il y a des appels. Bien pris, capitaine. Monsieur! Monsieur! Oui, 29 à la porte de 10-12. Si vous voulez, on peut faire un jeu. Oui, je vous écoute. Essayez de voir s'il n'y a pas quelqu'un au poste, sinon on entend go, on va se suite. Ah oui? Oui. Et c'est quoi les conditions du Shifumi? Enfin, si tu gagnes, tu t'en vas. Et si tu perds, tu restes. Bonsoir, à vous. Oui, mais vous allez prendre mon argent si je perds. On prend la moitié. Oh mince!
Oui, mais j'ai plus de chances de gagner la course poursuite qu'au chiffon. Allez, allez, vas-y, poursuite là, poursuite, allez. Bon bah vas-y, hein, monsieur. Ça le fout du bitume, va. Chuck, dis suite, bonsoir les collègues. Bonsoir Chuck, bonsoir. Bonsoir Chuck. Bonsoir Chuck. Putain, Chuck, ça faisait longtemps. Oui. Ah, moi aussi, ça faisait 4 jours que j'étais pas là. Bah oui, c'est vrai. Oui. C'est le retour des gottes ce soir, OMG. Je suis parti en Irlande. Oh, c'était bien. Ouais, c'était bien, il y avait pas la guerre là-bas. Oui, bah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Là, c'est fini là. Enfin, c'est oui, là, c'est une pause là. J'ai vu dans le journal. C'est coquin ça ce qu'ils viennent de faire, c'est pas ah oui, ça. Allez, ça c'est PlayStation, ça, je connais. Hein. What? Là à gauche dans le parking. C'est coquin ça aussi, hein. Oui, hein. Wesh. On refait gauche. Il est dans le parking à droite là, ici là à droite. Là derrière. Oh, il s'est carré, il s'est carré. Du coup, je l'ai vu là, ce petit gourmand là. Il est trop fort. Marine 18. Bonsoir. Bonsoir. Loulou. 38 actuellement, 10-12. 10-4, il y a 32 qui est au poste, vous pouvez partir avec lui. Super. Oh la Torrance à 3, c'est AS. Yes. Ah oui. C'est hein. AS. Oui. Droite. Ah. Je peux ressortir gauche. Là, on fait gauche ici. J'ai pas vu. Je pense qu'il a fait gauche. Ah, il a fait droite. Pas entendu. Pas entendu non plus. Il nous a bien baisé, oh. Franchement, monsieur 62 Ethan Sanchez, bravo, hein. Oui, mais on est rouillé encore un petit peu là. Non. Non. On est rouillé. Non. Regardez, à mon avis, il est parti faire ça là, regardez. C'est un PlayStation lui. Il a fait la ça, je regarde partout là. On est pas là, là, dans les buissons là, truc de con. Hein. Ouais, non, pas moi non. Tango 21, c'est code 4 Adam de la Séraphe Noire au niveau de H. Loulou. C'est pas grave, on va les réparer la team. Oui. Ouais. On va avoir une voiture neuve. Et Adam 21, 19 LST du coup. Bam, bam, bam. Vous voyez, 23. Oui. Pourquoi je voulais qu'on soit 3 dans cette voiture. Oui. Comment c'est zen. Regardez si le garage est ouvert 21 parce qu'il répond plus à l'appel. Là, ouais, 10-4 on. J'aime trop l'ambiance 23. Oui, oui. Mais moi j'ai pris des vacances et ben ça quoi m'a fait super bien. Qu'est-ce qu'il y a t'as dit quoi hein. J'ai pris des vacances. Ah ben l'important de prendre des vacances, ben c'est de prendre des vacances. Ben oui hein. Et puis en plus ben ça m'a fait maintenant je suis hyper peace and love. Du coup. T'es reposé et tout. Ouais, j'ai pris des anxiolytiques de ma grand-mère. Comment ça, des anxiolytiques? Oui, c'est les castons. Pourquoi? Oh, ça calme. Mais pourquoi t'es calme? T'as l'air d'être calme. Ben, avec tout ce qui se passe en ce moment, on vaut mieux. Aïe. Pour dispatcher, quelle est votre matricule? Pas dispatch. Y'a pas de dispatcher actuellement, les collègues. Y'a pas de dispatcher. Ah, ok, bah super. On est en autonomie. Arrête, oui. Dispatcher. 10-4, 21 pour 14, du coup y'a personne, hein, chez OLC. Je vous le dirai, mais avant 21h30, n'hésitez pas à vous auto-désigner en tant que dispatcher pour au moins tenir le dispatch avant le vrai dispatch. Bien pris. Pam, c'est Chuck ça, putain. Attends, je vais aller le voir. Chuck à vélo. En vélo? C'est vachement. Mais non, on va en voiture, hein. 23. Ah bon? T'es pas vu? Bah, il est là. Ah bon? D'hier, je tenais quand même à venir. Oh, t'avais raison, il est en vélo. Monsieur Chuck. Allez, venez voir le big sergent. Monsieur Chuck. Eh oui, il faut jamais se fier aux apparences. Bonsoir les collègues, mes respects. Ça va les jeunes, big ça va. Respect, my big respect. Respect, repos. Oui, mes respects, Bobby. Ça va la forme, tranquille. Respect, mon sergent. Ouais. Respect, mes respects, mon officier Chuck. Repos, repos, Bobby. Merci. Vous allez vous faire une tendinite. Non, ça va, ça va. Bobby, vous êtes okay. Passé officier, hein? Bon, oui. Et bah doucement sur la bave. Félicitations, hein, Bobby. Merci. Y a pas de soucis, y a pas de soucis. Bon bah c'est bien les jeunes. Votre chapeau. Hey Chuck, je suis passé. Alors y a pas de Hey Chuck, moi c'est Monsieur. Monsieur Chuck, je suis passé à plein. Hein, on a pas élevé les cochons ensemble. Hein. Pardon Monsieur Chuck. Mais ce que je veux dire. Est-ce que ça te va? Votre chapeau là. Ou pas? Ouais, est-ce que je veux dire ou pas? Pardon. Vous voyez? Est-ce que vous voyez là? Voilà, c'est bien. Ok.
Bon, bah c'est bien, vous êtes pris, mais bon, là il vous reste du chemin, d'accord. Ouais, mais le chemin il va être il va super cool. Super, il va pas être semé cool. d'embûches, hein. Pourquoi vous êtes tatoué le chiffre pi là dans le cou? Parce que c'est la poursuite de la science. D'accord, ouh, super. Quel est le chiffre de pi? 3,14, mais il est pas exact. D'accord, c'est bien. Ça finit par 6. Mais à la fin, fin. Très bien, très bien. Très bien. Ouais. Vous me ferez un rapport sur les rationalités de pi, d'accord? Let's go. D'accord, je vous fais ça, je vous fais ça. Ok, vous me ferez ça pour la semaine pro, hein? Allez. Un petit PowerPoint. Allez, un petit slide là. Un petit, ouais, un petit slide sur la. Et tiens, je suis pour point, là. Si tu veux, oui. Si tu veux, Ivan, je peux t'aider. Aïe, non, j'ai pas fait exprès. Aïe. Ça fait 5 minutes, je suis là quand même. Je suis désolé. Ah, je ferais ça, moi. Bon. Je l'appelais Winnie. Sourcer, bien sûr. D'accord, vous mettrez des sources. D'accord. Jour, je fais un exposé. Bon, qui connaît bien le poste ici là? Parce que j'ai Carter qui me dit qu'il connaît pas. Tu peux vous faire la visite? Allez, vas-y, fais comme ça, moi je suis joyeux. Monsieur Pi là, vous venez avec nous aussi là. Ok. Division et brigade, il a son poste. Il y a des gens qui veulent partir en patrouille là, vous voulez partir en patrouille? Oula, attendez, tripotin. Calma. Calma. Ok, comme disent les Mexicains. Attendez, je vais prendre un coup. Pas trop d'infos d'un coup. Voilà. 32, il est pour service. C'est bon, c'est pas lui tout à l'heure qui est. Ouais. Je t'ai calmé un peu. Ouais. Ouais. Je trouvais super normal, je parlais qui tout à l'heure. Je sais pas. Ok, allez, allez, petit tour. Okay. Allez, room tour. Alors on y va. Hop, au trop. Top, top. Au gardeur, t'es pas obligé de venir si tu veux pas. Hein. Donc, allez, c'est parti. Là, ici, c'est les casiers. Okay. Là, ici, ça va être le rayon cellule. Rayon cellule. Oui, quand on arrête quelqu'un, il faut qu'il mette ses affaires ici. 25-18, bonsoir, sergent. Bonsoir. Mais respect. Tu l'as vu il y a 5 secondes quand même. Ah oui, pardon. Là, il y a les cellules. D'accord, super. Donc là, il y a quelqu'un en cellule. Un afro, très bien. Voilà, là, il y a des gens qui attendent pour être en cellule. Voilà. Il est là. Il a ici, il y a la salle d'interrogatoire. Ouais, ils sont prêts quand même les. Alors regardez, là il y a ouais, là. Fou, hein. Ici. Ah ouais. Et là il y a le miroir de l'autre côté et on peut y accéder. Okay. Voilà. Ils sont quand même prêts les bon, OK, après ça c'est l'architecture mais bon. Après il y a ici. OK. Là va aussi. Du coup, il y en a une autre. Ensuite on monte. Là vous avez le café. Salle de OK, pour les photos. Ouais. OK, c'est pas mal ça. OK. Oui, c'est vrai, c'est pour les photos. Là il y a le café. Mm-hmm. Ensuite, putain, je suis pas là, je peux aller. Vas-y, bisous. Hop, on monte. On a voté un 19 vers le Danish 40 Vainwood. Vous allez bien? Bien pris. Bien pris. Oui, ça va, super. Ah oui, les gens. Alors, premier étage, tout ça, c'est tout ce qui est accueil. Ok. Donc là-bas, vous avez une première entrée. Ok, là, c'est l'accueil, du coup. Ok. Oui, voilà, là, vous avez une première entrée. Et si vous voulez, tout les casiers pour les gens qui viennent ici. D'accord, ok. Et puis là-bas, c'est quoi ça? Ça, c'est l'armurerie? Oui. Ok. Ensuite, hop. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un monsieur tout nu. Oui, c'est le lieutenant Cade. Bonsoir. Ah, patse, ah, patse. Vous habituez au lieutenant Cade, il a chaud souvent. Deuxième il étage, a chaud, okay. Il faut se rappeler que c'est ici qu'il y a les vestiaires. Ici, on se sent. C'est l'open space. L'open space aussi. Oui, il y a l'open space. Et, okay, et c'est là vestiaires. Où il y a les cuisines. Mes respects, mes respects. D'accord, d'accord. Ça c'est là, d'accord. Là c'est Capitaine's Office. Regardez, là c'est là où on se. 88, je pars Lincoln, récupérer la chambre 97. Ok, j'ai pas de queue pour jouer donc je peux pas. Voilà. D'accord. Bah j'ai pas de queue de billard. C'est quoi ça? C'est les vestiaires. Là. Et c'est quoi ça? C'est les toilettes. Bon. Toilettes. Elle est où la cantine? Elle est où la cantine? Elle est en haut, elle est en haut. C'est les bureaux de quoi ça? Je revendique la cantine. Le commandant c'est un bureau qui a pas été désigné, mon officier. Alors, je suis... Après moi, c'est Carter, quoi. Désolé, mon officier Carter. Qu'est-ce qu'il y a à vous regarder derrière vous quand vous pouvez, Izan? Si pour être sûr, il faut toujours... on m'a toujours dit qu'il faut... quand il y a un afro derrière toi, il faut regarder. C'est quoi bien, ouais, c'est bien, Carter. Regardez. Non, mais il a bien appris. C'est mon instructeur qui l'a dit. Ouais, c'est la cuisine. Ah, ça, c'est ma zone, ça. Oui. Ça, c'est ma zone. Ils l'ont dit, c'est pour Chuck. Bah, ça, c'est ma zone. Ouais, ça, c'est super, ça, Chuck. Ils l'ont dit, c'est pour Chuck. Voilà. Incroyable! Ouais. Oh, c'est super! Il y a à manger, je crois à manger, prenez à manger. Il y a vraiment manger, manger déjà. Oui, oui, oui. Parce que j'ai plus rien du tout, moi. Je prends 5 plateaux, prends des plateaux. Dites-moi, Carter, là, les restaurants, ils ont réouvert ou pas? Alors, pour vos Vous appelez Carter? Vous vous appelez Carter?
Pardon. Bonsoir, mes respects. Passez-vous un coup là. Jusqu'à jeudi, j'étais là, il n'y avait rien du tout. Bonsoir. Ah, d'accord, ça, et tu reviens de. Okay. Mes restes, ça a réouvert, si vous voulez. Oui, voilà, ça a réouvert tout là. Ça a réouvert. Oui, on a. Oubliez pas qu'on a un contrat avec le Scripteo Espresso. Oula, c'est quoi ça? C'est un nouveau restaurant? Moi, je me suis arrêté au Coy et au System Café. Non, c'est le café qui a Vespucci. À côté de Vespucci. Ça va, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal ce qu'elle propose. J'irai, ok. Vous allez bien, Evans? Bah, ça va super, et vous? Super, vous êtes passé officier, hein, vous aussi? Ouais. Bah, c'est bien. On est la pinpoint ni fort. On est ça fait fort. Plaisir. C'est bien, les jeunes. Ok, ensuite, Tricotin. Ensuite, là, à gauche. Ça, c'est ma zone, je préfère vous dire maintenant. Là-bas, il y a la salle de dispatch. Ça, c'est hyper important. Bonsoir, le monde. Ah, oui, mais on entend vraiment tout le monde. Toujours. Ok. Et là, du coup, on va rester. Ça, c'est un mur, oui, c'est un mur, ça tripotin. Oui, j'ai vu que c'était un mur. Mais c'est tout. Bah on s'arrête mais... là. Non, mais parce que là, il y a tout le monde. Alors, pour information, premier rang rookie, deuxième rang fille. Super, bon, bah c'est 23, je viendrai à 30. Et troisième rang. Excusez-moi, pardon. Qui reste, quoi. Je viens avec vous. Vous savez quoi, rookie ou fille, mettez-vous premier rang. Il y a quoi de l'autre côté? Ok. Qui me court après? Un afro qui me court après. Vous allez bien, tout le monde? Ça va et vous-même? Oui, ça va super et vous? Oui. Madame Payton, Madame Winter, Madame 23, 6, du coup, pour la CRU? Oui. Ben, moi je voulais savoir comment fait. Moi j'ai dû m'enfuir le poste. Bah je te ferai 2-3 petits stages, ok? Oui. Tu touches un petit peu tout ce qui est logiciel de montage. Ouais, de dingue. Ok, bah parfait. Parfait. C'est principalement ce qu'il nous faut, d'accord? Ben... Moi, je te montrerai tout ça. Oh oui, vous me dites quand et moi, je me rends disponible. Hein. Ok, ah, parfait. Nice. Repos. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir. Mes respects. Bonsoir, mes respects, commandant. Mes respects, commandant. Vous en êtes sorti? Pas? De quoi? Non, je me demandais si ça allait, c'est mieux? Ouais, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Bonsoir, mes respects, sergent. Mes respects, sergent chef. Mes respects. Respect, commandant. Est-ce qu'on a le temps d'aller faire un petit pipi? Oui, t'as le temps normalement. Non, pas du tout. Mais vite. Oui. Merci à vous. Mais c'est l'ancienne mairie. Ouais. Et l'ancienne mairie de Mieux. Je me la mets là. À l'observatoire. Bonsoir. Super, bah c'est bien. Vous êtes poste? Moi, je vous ouvre les portes. Je préfère celui-là. Ah, 26. Ce soir, je conduis toute la soirée, je te le dis. On vit pas de cuisine, ça va être ma zone. Je préfère vous le dire maintenant. Hein, je vous le dis tranquillement. Ok, bah c'est bien. Et puis, nouveauté, là, il y a eu la guerre, j'ai entendu. Là, guerre avec les Mexicains. Bah, ouais, c'est ça, c'était quelque chose. Bon, bah, écoutez. Tiens, là, on a fait la cérémonie. Mais oui, mais on l'a déjà fait ici, la cérémonie. Les 0618, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ça te fait pas chier, un peu au fond. Bonsoir. Bonsoir, mes respects. Ok, ça te fait un peu chier. J'appelle le maire. Compteur de pipi 2, c'est ça? Ah. Allô, monsieur le maire. Attendez, je me fais trembler. Ok, c'est bon. Bonsoir, mes respects. Jean-Chef, vous devenez au maire. Monsieur le maire. Allez. Comment ça, vous réquisitionnez des agents à moi, là? Allez, on va au dispatch. Ouais. Bah, c'était bien. Ouais. C'était la bonne. Genre, okay. Un agent sud. Ouais, okay, pourquoi l'agent sud, c'est 26? Ma petite 26 avec qui je patrouille, hein? Bonsoir, mais respect tout le monde. Oui, qu'est-ce que tu dis? Bonsoir, oui, Tupac, oui, vous aussi, Tupac. Bonsoir, tout le monde, non, respect. Arrêtez doucement, 56. Nous tous avons envers vous pour faire ce service, pour nous aider. Il y a plein de gens qui sont qualifiés. Il y a le gros lard qui est qualifié pour faire ça. Le sergent, le gros lard. C'est bien. C'est bien. Le SLO, le gros lard. Sergent. Et les sergents. Et c'est pas un gros lard, ok? Après, si, c'est un gros lard. C'est bon, oui. Non. Si vous refusez avec le service et qu'elle va être réquisitionnée, c'est votre choix, du coup je trouverai quelqu'un d'autre, évidemment. Ok, bah je réfléchis, je vous rappelle. Ok, je vous attends. Super. Respect. Il est fou, il me prend 26 comme ça. Il m'a demandé à qui pour prendre 26, lui, hein? Vous avez vu, il a dit que j'étais capable et que j'avais été bien sur le Galapagos. C'est juste un lèche-cul. Quoi? Mais il peut dire ce qu'il pense, il a Oh oui, c'est énorme. Eh, 28h30, t'as quand même plus de gens, hein. Je voulais l'aider.
Bah oui, mais évidemment. Ouais. C'est bien vrai, mon commandant. C'est prouvé. Du coup, je répète, premier rang, rookie Ophi 1, deuxième rang, Ophi 2, troisième rang, Ophi 3 et plus. Vous êtes tout seul, tu... Bah c'est normal, parce que je suis Ophi 3 et plus. Moi, j'y peux rien. C'est vrai. C'est un genre de plus, moi, je suis Ophi 3 et plus aussi, il faut que j'aille au fond. Mais non. Ok. Ophi 3 et Estello, quoi. Voilà. Ok. Pourquoi il n'y a que 4 pleu pleu au salut? Un quoi? Un pleu pleu? Ouais. Ça veut dire quoi, mon commandant? Ouais, je sais pas, mais c'est une expression. Des miches, les pleu pleu? Bah, quoi, des miches? Oui, mais pourquoi il a des fusils, un con? Mais non, je crois pleu pleu. Fier d'être un Saint-Trois, mon commandant. C'est une double pop. Je sais pas, c'est une expression que j'ai appris dans le nord de Los Santos. Hein. Bah, tiens. Ouais. C'est vrai que je sais pas ce que ça veut dire, 4 pleu pleu. Ouais. Vous maniez le double pompe? Que vous en avez deux? Ouais, j'ai pas de pompe, non. Si vous avez deux pompes dans le dos. Si non, j'ai pas de pompe. Il a dit, est-ce que vous sortez de Fortnite Prime? Vous voyez très très mal. C'est pas de pompe. Et au moins, tu voyez, vous savez que c'est long à recharger un pompe. C'est même si j'en avais deux, et bah c'est pour éviter de recharger le premier. On comprend. Et en plus, j'ai débloqué une compétence que vous débloquez quand vous arrivez commandant. C'est que quand je range mon arme, elle se recharge automatiquement dans mon dos. Du coup, ah ouais. Comme ça, je tire avec l'autre fusil à pompe et quand je reprends l'autre, il s'est rechargé. C'est la touche charognard, ça. Exactement. T'as rien à dire que je suis un charognard 62? Non, c'est un atout. Vous avez dit, quand vous débloquez, un atout. Ouais, c'est vrai. Respect, capuchon. Respect, capitaine. Respect, commandant. Tu m'as parlé, Carter. Respect, tout le monde. Juste pour toi. Ouais, tout à l'heure, ouais. Et pour les agents. Ah, c'est bon, hein, le salut, c'est parfait, repos. Ouais, bah, le poste il a changé. T'étais là quand t'as changé de poste repos pour ça. Ah, oui, bah, j'étais là, Ah, bah, ouais, c'est juste les ça en fait des rookies, hein. Ils sont où les autres? Oui, j'ai quasiment plus de rookies que le reste là. C'est parce quoi? C'est là qu'on s'en rend compte, c'est fou, hein. Bah, que tous nos gradés ils se la touchent peut-être. Surtout, bah, oui, puis c'est en bas, je les ai croisés en arrivant, donc c'est juste que. Pour leur défense, il est 29. Ceux qui sont dans le poste qui arrivent après 30, ça sera avertissement écrit. Chargeur 8. Ah, espèce de rutre, bon. Vu qu'il était dans le poste et qui est en train de se la toucher, si je puis dire, hein. Attendez, on sait déjà qui c'est le ballon d'or, là. Ah, c'est pas encore. Non, c'est moi. Ok. Selon les rumeurs, c'est Rodri, commandant. On se doute bien que c'est pas toi, on t'inquiète. Vos pronostics, mon commandant. Rodri. Non, mais si c'est Rodri, c'est une honte, hein, je le dis. Dis-moi pourquoi ça devrait être Vinicius, vas-y. Vas-y, bah, tu veux qu'on ait pourquoi ça devrait être Rodri alors? Bah, dites-moi. Bah, dis-moi pourquoi ça devrait être Vinicius. Attendez, il manque quelqu'un. Attendez, moi, je vous écoute pour Rodri. Moi, je t'écoute pour Vinicius d'abord. Il manque une personne. Parce que c'est Vinicius. Ah, là-bas, moi, parce que c'est Rodri. Une personne à ma droite. Oh, t'as vu, tu vois pourquoi je leur fais faire ça? Tu vois, tu sais qui sont les dormeurs. Ah là là, elle est en train de baver, je ne sais où là. Tu vois, c'est encore des gens, tu vois. Après, ils disent, je comprends pas, je monte pas en grade, je suis toujours là. Mais ouais, t'es là, t'es pas là. Oh, connasse! Est-ce que l'équipement il est bon? Elle est vraiment partie loin. Ouais, elle est très loin là. Ah, ouais, l'équipement est bon, heureusement. Elle a de l'argent sur elle. Est-ce qu'elle a de l'argent sur elle? Ouais, lui, elle a de l'argent. 4000 balles presque. Bah, je te jure, je les prends. Ça lui apprendra. Bah, vous allez rester comme ça tant que Blake aura décidé de se mettre également au salut. Hein. Vous remercierez Blake. Voilà. Pour les superviseurs, c'est bon pour vous. Le reste, vous allez attendre. Hein. Réveillez là, j'en sais rien. Oui. Ouais. Oh, ça fait vraiment mal, sérieux. Vous avez l'habitude du Truman pourtant, hein? Oui, c'est vrai. Bon. Beaux, ils sont beaux tous les petits rookies là. Ils sont beaux, pof, beaux. Ah, attends. Attends, je te regarde bien, toi. Vous avez vu, il y a 37. Elle est mignonne, elle, hein? Moi? Oui, bah non, pas toi, à côté. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle est mignonne, oui. Ah, putain, je parle de toi. Ah, vous mentez en plus, j'ai mis une coupe de feu, j'en ai marre, mes cheveux. Bah, vous êtes super mignonne quand même. Ah bah, merci. Ok. Oh, t'es. Oh, mais c'est Malteser, ça? Oui, c'est super chanceux, cette table. T'es trop beau. Bah, tu vois, Malteser, t'es beau gosse comme ça.
Alors qu'à la prochaine fois, demande un dégradé un peu plus progressif, parce que là, c'est vraiment dégradé. Je tiens à le rappeler que vous m'avez rasé les cheveux à l'ancienne, hein. C'était pas très pro, c'était pas très propre. Ah, c'était... Comment ça se passe? Allez me chercher la tondeuse. Non, s'il vous plaît. La tondeuse, s'il vous plaît. Non, vraiment, je vous en supplie. Je vais la chercher. Merci. Blake. C'est reparti. Blake. Eh, ça va être long ce début de dispatch, le son, ça va être très très long. Dans 49 ans, je vous en supplie. Là, je vais aller voir le maire parce que je suis. Merci. Merci. Je suis déjà en. Ah, Blake. Je peux pas mieux faire. Viens ici. Allez, Kim. Ça faisait exactement 2034 qu'on vous attend. Non, mais je vais te faire un truc pour Blake. Excusez-moi. Merci, Blake. Vous pensiez à quoi de dossier important? S'il vous plaît, 42, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je viens de sortir du coiffeur à tout à l'heure. À vos mouchoirs, vous êtes enrhumé? Oui. Merci, Blake. Vous êtes enrhumé, oui? Pardon, oui. Ah, j'allume la tondeuse si des gens veulent faire le bruit de tondeuse. S'il vous plaît, juste un beau dégradé. C'est une tondeuse, pas un T-Max V8. Oh, c'est mieux, ça, je vous jure, c'est mieux. Pourquoi on rase la tête à tous nos rookies là? C'est quoi? Non, juste à lui. T'as des trous dans la tête en plus. C'est beau. Respect, désolé pour le retard. Salut, 32. Tu ne revendiques plus jamais ma façon de tondre. Normatif. Super. Elle faisait quoi du coup? Elle pensait à des mouchoirs, voilà. Ah, d'accord. Donc voilà, on applaudit tous Blake. Merci beaucoup Blake. Bravo Blake. Merci Blake. Excusez-moi, pardon. Parfait. Qui prend un blâme aussi. Salut 97. Trop sympa. Salut Yoda, ça va? Repos tout le monde, repos. Ok, Blake, vous étiez là hier? Oui. Parfait, vous allez pouvoir dire à vos camarades ce qui s'est passé. Et notamment à votre capitaine qui n'était pas présent. Bien sûr, je vais venir devant. Non, oui, sors de la pièce, ça marche mieux dehors si tu vas dans le garage. On l'entendrait. Tu nous fais ça en radio, ce serait nickel. Hier en soi c'était relativement calme en début de soirée. Dans la soirée, on s'est aussi fait voler 3 véhicules de patrouille. Mais que font un petit peu plus tard dans la soirée, il y a une fusillade au niveau de. Voler 3 véhicules, vous savez Je sais pas si on a l'information. Ok, c'est important de préciser, ok, ensuite. Un petit peu plus tard dans la soirée, il y a une fusillade Vespucci et nous on a eu un braquage de musée. Et après, je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai pris un 10-10. Fusillade entre eux. Des groupuscules particuliers, pas du tout. Bisous, Warren, merci d'être passé. Bah voilà. Ok, d'accord. Et je sais pas ce qui s'est passé après, j'étais plus là. Mais je crois qu'on a 80. Il a été pris en otage sur les Galapagos. Et a priori, il a une tache sur le visage. Mais je sais pas exactement ce qui lui est arrivé. Je sais juste qu'elle a été prise en otage. Oui, 87. Bah, juste pour information, les véhicules qui ont été volés, où ils ont été retrouvés dans l'eau au niveau de la marina. Il y avait une HP fugitive, et une Torrens. Parfait, bah écoutez, on va pas les emmener à la maison leur véhicule c'est la prochaine fois. Pas de soucis, je vais trouver une autre fourrière. Fourrière aquatique. L, requin. Très bien. Bah oui, Rookie à gauche, qui voulait parler là Oui. C'était concernant la prise d'otage. On s'est fait prendre en otage hier avec 92. On s'est fait tirer dessus, on va dire aussi. Pour quelle raison? Ça peut paraître ridicule, hein, mais. Et on a été livré à une sorte de famille. D'accord. Et en gros, ils étaient fâchés du fait que les Galapagos squattent Rockswood, comme ils disent, je le quote. Et ils revendiquent Vinewood. Et ils ont dit que s'ils voyaient une patrouille sur Vinewood, ils allaient tirer à vue. Ah, mais t'as rien qui va dans ce que vous venez de dire dans la phrase là. Y a rien qui va ensemble. On dirait que vous avez mis plein de mots ensemble. Vous avez secoué quelque chose et fait une phrase. C'est pour ça que je le coude, parce que gagné. Ouais, je comprends pas. Donc, je sais pas une famille. Nous en veut. Ouais, bah oui, je vais juste. Nous en veut, nous, SSP, pour Rockswood. Ok, oui. Ça, jusque-là, on est d'accord. Oui. Et du coup, ils revendiquent Vinewood et ils veulent nous tirer dessus. Oui, voilà, ils veulent pas trop dépouiller sur Vinewood. Bah, dites-le, on va dire. Mais vous en pensez quoi, objectivement? Bah, qu'ils sont super cons, hein. Parce qu'ils nous ont tiré dessus. On a même pas pu délivrer le message correctement, vu qu'on s'est fait tirer dessus. Vous avez... Il y a une revendication particulière?
Non, pas explicite, mais ils ont sorti quelques noms, donc... Allez-y, ils ont sorti un certain Killa, ils ont sorti un Jimmy, il y avait une Aya... Ça fait beaucoup de noms qui... Okay. Beaucoup de noms de fois oui, bah, ils se parlaient entre eux, à vrai dire, devant nous. Ils étaient masqués? Bah oui, 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 tous. Ok, c'est pas des phonotis, ça peut être n'importe quel effectivement, on a beaucoup. Est-ce que le masque prenait plus de 50% du visage? J'ai tellement de kilos, j'ai décidé de... Pardon. Oui, chez oui. Papy Manil, on a bien bouffé, on a bien bu. Parfait, très bien. C'est un problème qu'il va falloir régler. Pareil, le problème des ballasts, la DOA, il va falloir que vous mettiez dessus, là, j'en peux plus. Il va falloir un petit peu les calmer, hein. Par une simple descente, on va trouver un truc. Oui. Par rapport à ce qui a été dit, vous avez le dossier d'opération, je fais suite du coup au braquage de musée, qu'on n'en a pas souvent. Tu as mort de quoi, hier, on a appris qu'il y avait des portes dérobées pour les sorties des individus qui se trouvaient à l'intérieur. Information 03 a fait un dossier d'opération, a mis exactement où se trouvait sur le plan et des photos de la porte dérobée. Tout le monde doit en prendre connaissance, s'il vous plaît. Le dossier d'opération sera fermé demain. Donc vous avez 24 heures pour prendre en compte l'information et le dossier d'opération sera fermé demain. Ceux qui n'auront pas lu, ça sera tant pis. Ok. C'est bien pris. Affirmatif. Mais ok. Oui. Ouais. Mais du coup, la moitié ont été attrapés du braquage de musée. Oui. Je sais pas les quatre ont été attrapés et la crime a procédé à l'interrogatoire parce qu'apparemment ils sont revendiqués comme des Arméniens. Des Arméniens. Oui. Voilà. Revendiqués, Svori, mes couilles en ski. Svori, vos couilles en ski. Très bien. Voilà. Très bien, Christian, merci. Tout à fait. Quelqu'un d'autre? Oui, Javari. Il y a une tentative de respect. Vous êtes en retard. Sur Chapman. Il y a une tentative de prise d'otage sur trois agents ou deux agents chez nous. On avait fait un contrôle au niveau de la place des cubes. Oui, ben. Avec des barrières, etc. Parce que tout le monde voulait n'importe comment. Et il y a des individus qui allaient se faire fouiller qui ont braqué des agents. Et les trois ont été interpellés du coup. Ils appartenaient au North Nation. Des belles statistiques, ça c'est bien. Ouais, d'arrestation. Plaisir à entendre. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Pourquoi quand je suis là, on se fait chier, hein? Ils ont peur de vous, Kand. Ça va? Tu penses? Super. T'es bien. Vous êtes en retard, Rookie. Mes excuses, excusez-moi. C'est un café pour tout le monde. T'as dit quoi? Déjà, on commence par mes respects. Désolé de mon retard. Désolé de mon retard, excusez-moi. En plus, c'est vous, attendez, c'est 22 là, c'est ça? Bien ça. Ça va, Yarletoin. Bien vous, ah bah bravo, hein. Deuxième jour, vous êtes déjà en retard. Oui. Promets, hein. Excusez-moi, Audi, je vous prie de bien vous prie de m'excuser. Il y a une PA hier? Non, c'est un petit jeune. J'étais qui... présent hier, oui. Petit jeune et... de quoi? Oui, c'est hors PA? Ouais, ouais. On fait le rattrapage, je crois. Ah. Ah oui, oui, je vois. D'accord. Oui, c'est bon. Okay. Non, je me souviens. Ça va, oui, d'accord. Ça y est, c'est passé. Après, moi, j'aime bien. Oui, oui, pas d'IA. Et aussi, de plus, on a mis en place un dispositif 1038 assez important au niveau du pont Rockswood, où le process est de fouiller tous les véhicules qui vont et qui sortent de Rockswood, palpation sur les individus, etc. Oh, mais ça, je sais déjà ça. Attendez, il y a eu des accords entre... Je vais aller voir le maire, justement, en parlant de ça. En fait, il faut savoir les accords avant de faire ça, parce que accords... C'était quoi les accords? Dans les accords, c'est ça. Juste que le maire avait mis, du coup, une espèce de taxe, que ce soit en rentrant de Rockswood ou en sortant de Rockswood, de 1 000 $, et ça, par contre, ça a été retiré. Ok. Je vais voir le maire juste après. Mais là, c'est très très confus pour tout le monde. Oui. Puis le grand méchant loup, c'est on verra de leur faute. Oui, non, mais je suis très en colère, sachez-le. Faute du maire. Oui, bien de la chance que je lui ai donné ma voix. Dans tous les cas, c'est confus pour tout le monde, d'accord. Nous, SASP Sud, on va pas s'en mêler d'abord. On va attendre de savoir quelles sont les directives finales, parce que ça a changé 3 fois hier. Un coup, faut tout marquer dans le document, un coup, faut pas marquer. Donc, écoutez, pour l'instant, on ne fait rien. Et nous, on s'informe et on vous dira. Est-ce que vous avez des rappels de la supervision, comme j'étais pas là hier, s'il y a des choses à dire? Attendez-moi, d'accord. Partez pas. Non, pas. Bah, allez-y pour les rappels. Ok, alors. Je vais faire un rappel global. Non, je peux pas baisser le son. Je vais faire hier, mais on n'était pas assez. Le son de quoi? Ok. Les tenues noires. Donc, les tenues d'intervention. Je vous le rappelle, ce sont des tenues d'intervention qui sont à mettre uniquement
si état-major ou supervision vous l'autorise. En dehors de ça, il n'y a pas besoin de tenue noire. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Armes lourdes, en temps de guerre ou même... Ah oui, non, mais le chien... L'autorisation, c'est à partir de SLO. J'en ai vu pas mal, au FI2, qui avait des armes, et du coup, ça fait beaucoup trop d'armes lourdes sur le terrain. Voilà, je mets à 45. Voilà, ça te va mieux ? Personne n'est visé, mais c'est OK pour ce moment. Oui, c'est OK. Qu'à lever la main. Non, justement, c'était pour dire que c'était quand on n'était pas beaucoup, surtout. Ok. Du moment que ça a été validé, état-major... Oui, c'était le voilà, samedi où c'était compliqué. Voilà, c'est pour intervention. Ok, d'accord, merci. Donc, je vous dis, personne n'est visé. C'est vraiment un rappel que je fais pour tout le monde. Un rappel, d'accord. Merci Loulou pour le follow. Un gros rappel. Et ça, encore une fois, je vais m'y atteler. Je sais qu'il y a pas mal de divisions qui ont des tenues. Il y a quelques mois de ça, pour ceux qui n'ont pas connu, il y a tellement tout le monde qui mettait leur tenue de division n'importe comment que pendant un mois, pour les plus anciens, je pense ceux qui sont tout au fond, pendant un mois, toutes les tenues de division étaient interdites. Parce que ça les mettait n'importe comment. Encore une fois, je ne vise personne, tout le monde est responsable. D'accord, vous faites partie de la canine, très bien, vous avez une tenue canine, très bien, vous la mettez uniquement si vous êtes dans un véhicule canine avec votre chien en tant que canine. Je me suis toujours pas la HP, c'est musique, pareil. La DOA, c'est pareil. Pas la CRIM, c'est pareil. C'est bien, je suis fière. Il faut pas hésiter. Les unités qui ont des tenues, même si c'est pas d'affilée, tu vois ce que je veux dire, même si vous n'êtes pas une chanson, genre t'as les idées de phrase, tu les notes. Voilà, pour laquelle vous êtes habillé, quoi. L'unité pour laquelle vous êtes habillé. Est-ce que c'est clair sur ça? Bien pris. À partir du moment où vous n'êtes plus en canine, vous n'êtes plus en HP, vous n'êtes plus en DOA, vous changez votre équipement. Le but, en fait, c'est pas que tout le monde soit habillé un petit peu à sa sauce. Non, on a un uniforme, tout le monde doit le mettre. Ouais, c'est bien pris. Bien pris. Tout le monde. Oui, c'est bien pris. Ah, si, c'est bon. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Non, mais c'est, voilà, c'est à nous aussi de montrer l'exemple. Donc, voilà. Très bien, oui, c'est important hein, qu'on revienne pas à l'époque parce que Winter, elle est sergent chef, hein, elle a rien à vous dire. Si elle veut se mettre en chaussette claquette, elle le fait. D'accord, vous, ce n'est pas le cas. Écoute, oui, monsieur Flores, je fais mon dispatch. Vous pouvez attendre, s'il vous plaît. Je te disais, si tu as des phrases que tu veux noter quelque chose, genre si tu as une idée de phrase, note-la. On va passer même à la suite si s'il n'y a pas une chanson autre chose. Oui, juste je rappelle. Tout manquement à ça, convocation. Et on verra. Bien pris. C'est bien pris. Du coup, oui, je vous fais un rappel là, parce qu'il y a beaucoup plus de monde par rapport à hier. Pour rappel, c'est tout dossier d'opération qui ont été ouverts. La brigade, c'est maintenant. Jusqu'au dimanche de la semaine dernière, doit être absolument clôturé, finalisé et terminé. Hein, je veux pas que le travail soit bâclé avant vendredi, voire dernier délai. Ouais, ça peut te donner une idée de parole. Et puis quand tu reviens dessus, après, ça peut te donner une idée de chanson, tu vois. C'est et dès que tu as une idée de phrase, note-la. Quelque chose qui rime ou pas forcément. Qui ont été prises en charge par tous les agents. Y a pas de mais ton cerveau, il va retenir plus facilement si tu l'écris que si tu le juste tu le dis parce que tu as oublié. Si tu juste tu le dis. T'es pareil, ça sera des sanctions. C'est bien pris. Je tiens à tous à vous avertir. Je passe pour le gros méchant loup qui va faire passer le message. Et vendredi soir, on sera intransigeant. Jusqu'à maintenant, il y a eu zéro sanction qui sont tombées, zéro avertissement. On remarque que les gens négligent le travail. Il n'y a pas de sanction. Merci pour ton follow. À partir de la fin de semaine, c'est terminé. Mais non, faut pas dire que c'est de la merde. Radio pour le dispatch. Globalement, on veut que le dispatcher mette une espèce de pression, je mets des gros guillemets, d'accord, pour que le travail soit fait. Pas besoin de tous hurler radio. Il y en a qui ont tendance à hurler, et moi la première, d'accord, donc on va faire du travail là-dessus. Donc, soyez quand même souple. On veut que le dispatch soit mis à jour. Mais au lieu de hurler, demandez simplement est-ce que tout le monde peut mettre son dispatch à jour, s'il vous plaît. Voilà, bah, ça peut être un début, une métaphore, etc. Tu vois, ça peut être intéressant de jouer là-dessus. On peut oublier, on est tous des humains. Il nous arrive d'aller, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Ça va aller 42. Ouais. Ça nous arrive à tous d'oublier parfois. Voilà. On est peu importe où, ça nous arrive d'oublier. Juste un petit message. Plus t'écriras, plus t'auras l'habitude. Terminé. Ok. C'est bien pris. Bien pris. Pour finaliser tout ça,
L'équipe de supervision, on aura besoin de vous voir 05 dans ouais, ce sujet et à la Petite Académie. D'ailleurs, 08, si vous voulez participer, vous êtes le bienvenu. Bien pris. C'est tout pour moi. Ok, super. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je suis défoncé, donc je vais faire qu'un seul rappel, d'accord. par rapport au rookie, c'est pas vos chiens. Comment ça, t'es défoncé, 09? Je suis défoncé, je suis de mauvaise humeur là ce soir. Là. Donc, ah, y en a vous allez me manier à la mairie, c'est parfait. Ouais, bah c'est pour ça. Il y en a un qui me fait chier. On ah, vous bah, dit tous les coup, jours, on fait des pas... rappels. J'en ferai est-ce pas que là. Tu devrais pas aller au truc de la guerre là, de l'armée. Oh non. Non, mais parce qu'on fait des rappels tous les jours. Les rookies, c'est pas vos chiens, d'accord. Ne l'oubliez pas. Je parle pour les officiels. Hein. Surtout les officiers. Hein. Ok, c'est bon pour vous. C'est bien pris. Inversement, les rookies, écoutez vos supérieurs, même un officier 1. Vous leur devez le respect, pas dans les deux sens. Affirmatif. Bien pris. Si vous voulez du respect, ayez du respect pour les autres. Bien pris. Parfait, je pense qu'on peut avancer. Dispatcher, je crois que Tracy, vous vouliez venir là. Oui. Oui, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que tu nous as pas prévenu, hein, 26. J'ai oublié. Bah, c'est refusé du coup. Dommage 26. Tracy, vous vouliez pas être dispatcheuse du coup au vu de votre si, état si. Ouais. Tracy, du coup, et ouais, Bobby, allez, je crois pas vous avoir déjà vu au dispatch. Aussi. T'es possible, si, je sais plus. Si. Ça ouais, me plaît, ça. Moi j'aime bien. Ouais, tu me rappelles. Excusez-moi. Je compte sur vous, Fletcher 50. Oui, vas-y. Bisous, comment dit, on... Et juste attendez, je peux faire un dernier rappel. Je sais pas si vous l'avez fait. Je le refais quand même, sinon ça fait jamais de mal. Les OFI 2, les OFI 3 et les SLO, bougez-vous le cul, par pitié. Par pitié. Bon rappel, ça. Par pitié. Parce que je vous jure que normalement, vos sergents, ils doivent se branler les couilles toute la soirée. C'est à vous, les SLO, de gérer le terrain. C'est pas à eux. Hein. Bien pris. C'est bien pris. Ah, c'est bien pris. Allez, 10, on va patrouiller. Bon, alors, Kennedy. Bon. Bonne patrouille, commandant. Merci. Bonne patrouille. Et bon rendez-vous, t'es majeur. Ouais, bon courage. Bon rendez-vous. Oui, courage, capitaine lieutenant. Qui doit aller en convocation, là, du coup non. Oui. Je vous donne à vous le test. Tu viens avec nous, 09 Oui, non, je vais au rendez-vous mairie avec le capitaine. Alors, en convocation, il y aura moi, 50 s'il le souhaite, 05 et 08. 92, tu mets 97 avec moi, s'il te plaît. C'est bien pris. Alors, 97 avec 50, du coup. Ça marche. Moi, j'ai un petit truc à faire aussi. Je t'attends. Avec qui, 17 personne. Oui. Ok, d'accord, très bien. Je te propose à Kennedy. Bah, vas-y, je gère. Alors, en rookie, du coup, 29 avec 32. Y'a qui en matière de 34 je crois. Vous avez déjà dispatch 22 ou pas avec 0,5. Tu peux parler plus fort s'il te plaît, Tracy. Négatif, commandant, ils l'ont pas fait encore. Ouais, je pars en crime avec Félix, me dispatch pas et donnez-moi un stagiaire. Pourquoi c'est le bazar là? Pourquoi c'est le bazar là-dedans là? Du coup, y'a qui voulait faire des stages crime? Non mais est-ce que. Et les gars, ouais, c'est pas normal que j'arrive dans une pièce et qu'il y ait 6 personnes qui sont en train de parler en même temps pendant le dispatch, par contre. C'est votre matricule, vous? Super, 22, il est où? Qui est bon? 36. Qui? Il est où? Avec 40. C'est la grosse touffe qui est derrière. Allez, allez viens. 42. 06 avec 17. Oui, non, elle doit partir. 06 avec 33, du coup. C'est qui 33? C'est Carter. Bah oui. Oh, je suis fou, quoi. 22 avec 34. 22, il a été dispatché avec le commandant. Non, mince. 25 avec 34, pardon, désolé. Bien non, les dispatchers, vous avez entendu, 22 est avec moi et 10. Ah, bien pris. Oui, je peux te parler. Devant, là, c'est votre matricule. Tracy, est-ce que tu peux déjà dispatcher avec 29? Est-ce que je peux partir en cycle avec lui? En cycle? Je connais pas mal. Ouais, en vélo. Mais... Oui. Allez, super, merci beaucoup. Bobby Tracy me dispatchez pas, je prends pas mon service. C'est très bien. Je te dispatch. 21 avec 40. Moi, il faudra me dispatch, j'arrive. Ok, dispatch avec 21.
16 avec. C'est quoi vos matricules devant? 88. Dis-moi avec 62, s'il vous plaît. Avec 72? 62. 62? Bah voilà. S'il vous plaît. Allez, avec 62. Je vous remercie. On fera demain ou après. C'est 13 hein, là-bas, hein. On est d'accord. Hein. Du coup, stagiaire crime. De quoi? Au fond, c'est 13. Bah, je sais pas. Je crois qu'il dort. Bah, 96, c'est... il est pas là. 96. Ouais, 93, là. Il y a bien quelqu'un là derrière vous. Il y a deux personnes. Oui. Là, il y a 03 et. Il y a 03, 95. Ah, 95. 95, du coup, avec. C'est compliqué. Avec vous, là. Avec moi, oui, 47. 03 avec 88, c'est ça? Allez, oui, c'est moi. Ok. Yes. Allez. Et Bobby avec. Avec vous. C'est quoi votre matricule? Encore avec toi. Moi, c'est 94. 80? 94. 94. Allez, let's go. Moi, je reste au PDP. On y va. Vous m'avez dispatch ou pas? Avec 21. On est moins fort, s'il vous plaît, dans le PDP. Avec. T'étais autorisé. 42, 10-41. Les psys, oui. Médical, enfin, ouais. Physiquement, je me sens pas encore au top, donc je vais prendre un jour de plus. Ok, ok. Ouais, bah, t'as raison. Vous êtes brûlé. Bah, apparemment, pour tous ceux qui sont allés à la guerre, va falloir qu'on fasse un truc psy aussi avec l'hôpital, là, apparemment. Ouais, moi, c'était clairement interdiction de reprendre mon service sans test psy. Je sais pas, c'est ce qu'elle nous a dit 26 hier, donc. Ah oui, Bobby, t'es pas au courant, t'étais pas là, mais j'ai été pris en otage par Galapagos, ils m'ont aspergé d'essence et j'étais dans le feu. Voilà. D'où les... Il essayait de survivre entre les missiles et les obus. Vous en faites des greffes de tilapia ou quelque chose? Je sais même pas, j'étais pas très conscient quand ils sont occupés de moi. Mais... Vous inquiétez pas, ma femme vous allez comment s'occupe des poils des grands brûlés, donc elle s'occupe de moi. D'accord. Ça va aller? Psychologiquement, ça va, c'est... Vous avez besoin, je suis là, hein. Ça dépend. On est là, je suis de retour, hein. Et pas pour vous jouer de mauvais tutos, avant le 31. Ah oui, j'étais crucifié à moitié au milieu de la piste d'atterrissage. Je peux vous dire que les bombardements et les missiles, je les ai vus passer. Ah, c'est propre, ça, c'est bien, c'est nice, c'est bien. Ah bah oui, c'était très bien. J'ai appris un service militaire ce soir, vous aurez tout pas le faire avant. C'était très bien, parce que je peux vous assurer que les collègues qui sont venus chercher, ils ont été d'une précision sans frein. Radio pour rendez-vous avec le maire. Il nous a pas touché un seul moment. Pas de près. Bon, vous me tenez au courant s'il y a besoin. D'accord. Ouais, ça marche, vous inquiétez pas. Promis, oui. Hein. Oui, promis. Promis. Sinon, du je vais petit voir doigt. Votre femme et tu dis vous faites des bêtises. Promesse du petit doigt, Bobby. Oh, attendez. Mets-moi du petit doigt là. Hop là. Promis. Winky winky. Exactement. Bon, à tout à l'heure. Je crois que j'ai une convoque à faire pour la PA parce que ça convoque la PA sans le colis. Salut Tommy. Bah du coup, vous serez, alors. Vous prenez votre service, 36. Non, on va aller prendre un véhicule. Bien respect. Yes. Ça va pas ou quoi là? Bon, viens, t'es là, t'es en bas. C'est parti. Non, c'est pas là. Il est où? Pourquoi c'est bien, sergent? Super. On prend quelle voiture, Ophien? Bah, une Torrens. J'ai le droit? Bah oui. Oh, nice. Ça, je suis pris devant vous, sergent. Bonjour. Au revoir, 25. Au revoir. 23 pour 94. À l'écoute. Vous êtes où? Ah. C'est bon, d'accord. Je suis ravi que t'étais au premier, c'est pour ça. T'as fait du pour convocation. Non, allez, non. On va sortir une voiture. Il y en a déjà une de sortie, c'est bah, vas-y. Vous voulez conduire? Tu sais faire les calls radio? Ouais, normalement. Moi, tu vas me montrer un peu. Et après, tu conduiras. Vas-y. Tu vas t'occuper de la carte dispatch aussi? Tu sais le faire? Tu peux faire rouler ou faire les... Oui, oui, oui. Ok. Tu me dis que tu sais pas faire. Et j'essaierai de t'aider au maximum. Très bien, il y a rien de grave. Normalement, à part le MDT où j'ai du mal, normalement ça. MDT, c'est quoi qui te va pas? C'est juste que je suis lent à faire les procès. Adam 25 et 41. C'est pas grave ça. Vaut mieux que tu sois lent et que tu le fasses bien que tu veuilles être trop rapide et que tu oublies la moitié des trucs. Alors. Ouais, c'est bonsoir. Bonsoir 55. Bonsoir.
S'il y a des choses que t'as envie de prendre, tu les prends, on les appelle, t'inquiète pas. Genre si tu vois une bande ou un truc, on le prendra. Et après, je te laisserai t'en occuper. T'es d'accord? Vas-y, ok. Bon. Bon, alors ça s'est passé comment, ta PA? En vrai, globalement, moi j'étais bien, mais l'ensemble de la PA, elle était bizarre. Pourquoi? À cause de ce qui se passait au Galapagos? Non, on nous a renommé la PA des 8 mai, et j'ai oublié le gros monsieur qui fait peur, là, il a dit qu'on était la... Ouais, il a dit qu'on était la pire PA. Ah ouais? Ouais. Oh. Alors qu'en vrai, on était calme, c'est juste qu'il y a eu un élément perturbateur. Ah mince. C'est pas ouf, ça, d'avoir une mauvaise réputation comme ça à cause de tes collègues. Ouais, mais je pense que bah, tous ceux qui sont passés là à l'heure actuelle ont travaillé bien. Je suppose, j'espère. Écoute, ben, de toute façon, tu montres ce qu'il y a de. Enfin, voilà, vous vous soudez les coudes et vous faites au mieux, et puis voilà. Hein. Et puis tu verras bien. Bien sûr. Et ça va, tu te sens bien quand même auprès de toute la famille du SSP ou pas? Ah, moi? Ouais. Moi je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de base. Donc, c'est vrai? Ouais, je suis quelqu'un de assez réservé, donc c'est un peu bizarre. D'accord. Ben, dis-toi que moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup la conversation, donc t'inquiète pas, j'aurai toujours un sujet de conversation. On a 21, on va procéder au 10-38 d'une féonne blanche au niveau du motel Fête Foraine. Okay. Bien pris. Est-ce que tu sais pourquoi on fait des 10-38? Bah, contrôle routier pour voir si les véhicules sont pas recherchés. Mais est-ce que tu sais pourquoi on dit toujours avant qu'on le fasse? Oui, parce que si ça se passe mal comme hier. Hier, il y a eu ça, hier, il y a eu un contrôle routier. Les gens, ils sont braqués. Heureusement qu'on était deux voitures et qu'il y a eu trois voitures qui se sont ramenées par là. Ben ouais. Parce que, en fait, au moins, ça permet de donner ta dernière position avec l'identité de la voiture. Que s'ils te prennent en otage, ben voilà quoi. Moi, c'est que ça m'est arrivé pendant ma FL. Cycle 32, j'ai un flag d'une supérette au niveau Est-ce que quelqu'un peut venir s'il vous plaît? Adam 23, on est deux. Allez-y. Merci, c'est parfait. Allez-y les collègues. C'était pas... Merci. Allez, let's go. Je te laisse faire le col de la voiture et tout. Oui. Adam 23, actuellement en 10-56, Seraph noir, occupé X fois pour un 10-56. J'aurais préféré te laisser conduire, mais... Si tu veux, on peut vite switch. T'es prêt? Madame Moté, un code 4 sur le 10-38. Allez, on s'arrête maintenant, ça suffit! Ouloulou, c'est pas bien! Elle passe pas la bus. Oui, elle passe. Gauche, direct. Gauche, il a tourné. Là, en face. Alors, surtout, on ne pique pas les voitures. Hein. Ouais, je l'ai pas touché. On a 21, 19 sur le dernier 40. Allez, on s'arrête maintenant, ça suffit. Vous faites multiples infractions. Ça va vous coûter plus cher. Il fume déjà. Ouais. Attends, c'est pour lui, hein. Allez, monsieur, on s'arrête. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, c'est inutile. Allez, monsieur, c'est bon, on s'arrête. Ça suffit les bêtises. Adam 21, on part en 10-56, une fusillade noire occupée une fois, suite au dernier 10-40. Vous fumez, là, ça sert à rien.
C'est juste ridicule là, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Allez monsieur. On prépare ton taser ou ton mec. Oui. Je l'ai déjà en main, tout en cas. J'avais mon bloc, je crois. Tu prends mon taser parce que c'est vraiment. Allez monsieur. Oh papa, prends ta rette, ça suffit. Allez, c'est bon. Putain. Bah alors, monsieur, vous inquiétez pas. On vous a dit en fait, j'ai commencé la poursuite et t'es endommagé de fou. Bah ouais, mais ça... Bah oui, hein, c'est ma... Ah mais c'est ma faute, hein. Adam, 95, alors, qu'est-ce qu'on fait là? Bah là, c'est vous qui décidez, c'est vous la pente. Non mais demande à votre aussi. Là, on le voit contre le capot du véhicule, on va pousser là, il n'y a pas le passif. Bien, merci. Allez, va contre le capot. Bah, le capot il fume, je pense pas que c'est une bonne idée. Oui, mais mon capot. Ah, ton capot. Vas-y, je te laisse lever les bras. Que je fasse la palpe. Je fais quoi? Tu lèves les bras pour que je fasse la palpation. D'accord. Nickel. Bon, alors, qu'est-ce que c'est l'histoire là? On a voulu faire une supérette, c'est ça? Oui, mais au final, je lui ai rien volé au monsieur. Vous pouvez pas le laisser tranquille, il vous a rien fait le monsieur de la supérette. Hein. Du coup maintenant là, on le menot. Hop là. Tout d'abord, on le fait monter dans le véhicule. Je te laisse monter à l'arrière du mauvais. Est-ce que tu veux récupérer sa plaque d'immatriculation? Est-ce que tu veux la prendre en photo? Est-ce que... C'est ce que j'allais faire, j'allais aussi... Non, je te demande, non, c'est pas une obligation. Mais on va aussi fouiller le véhicule parce qu'on est encore en code rouge. Bah. Pourquoi je me tape tout le temps des rookies qui doivent faire la truc de A à Z? Il faut bien qu'on commence quelque part, hein, moi aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'étais. Oh, dépense-moi Hello Kitty, oh, trop mignon. Oh, trop bien. Je vous en offre, si vous voulez. Tu les veux? Je vous en fais cadeau. Bah non, je peux pas les lui voler. Non. Non. En plus, on pourrait dire qu'on m'a soudoyé et tout. Ça va, c'est une supérette, pas besoin de prendre la plaque comme si c'était... Non, il se fort, il va pas l'utiliser, c'est juste pour la formation. Ok. Maintenant, là, j'ai une question. On fait quoi? On le ramène au poste ou on lui fait nettoyer la supérette? Ben, ça, c'est toi qui choisis. C'est ton choix. Si tu l'amènes au poste, forcément, ça va te demander de faire quoi? On va te demander de faire un... Un RA. Voilà. Est-ce que le monsieur, il est gentil? Ouais, il est coopératif de fou. Est-ce que la course t'a plu? Adam 95 10 non, 58 ouais, bah, à partir de là, tu sais où tu l'envoies nettoyer la supérette et tu lui dis de faire des excuses des 03 22 de ou sinon tu l'emmènes 22 10 et 42 off pour jugement Joseph Marzel. Ben, on va aller voir. Et ta course poursuite, c'est toi qui choisis, hein. Oui, mais en fait, j'ai peur que si je fais ça, parce que moi, je suis plus dans l'optique de faire ça, on me tape sur le dos parce qu'on me dit non. Ouais. Y a pas de quota à tenir. Hein. Après, si t'as besoin de t'entraîner pour faire des RA, bon, bah, vaut mieux que tu l'arrêtes, mais bon. Ça, encore une fois, c'est ton choix. Allez, monsieur, on va sortir du véhicule. Allez, attention à la tête. Tu retires tes mains. Allez, va voir Apu. Va lui dire pardon. Ok, c'est bon, vous avez gagné. Vous avez fait des dégâts dedans ou pas? Non, j'ai rien fait, j'ai rien touché. Ça va, Apu? Viens, je te fais un câlin, Apu. Tout doux, hein. Attention, hein. Attention. Tout doux, le câlin. Je lui fais un câlin. Tout doux. Ah, voilà. Apu, ça va, Apu. Ça, c'est bien, ça. Hein, ah, ça, c'est bien. Depuis les années, hein. Depuis les années à Pou. Le pauvre, tous les jours, il se fait braquer. Et tu t'en rends compte, hein? J'ai entendu, hein. J'ai entendu. De quoi? N'importe quoi. J'ai entendu. Quoi? On recommence. On recommence. On recommence avec toute la douceur. T'as entendu? Mais je lui ai dit avec tes grosses pupilles. Non, je lui ai dit avec tes belles pupilles. Tes belles pupilles gustatives. Moi, Ok, vous avez de la chance parce que je l'aime bien. Et un petit bisou sur la joue, tant qu'à. Cette grande salope, je vais te niquer. Oh, bon, attention, joueur, mon petit Apu, t'es trop j'ai mignon. Entendu. De quoi? C'est Louis. Mais n'importe quoi. Louis. Mais Apu, j'ai dit quelque chose. Apu, j'ai dit quelque chose.
Il a dit quoi? Voilà, il vous a insulté. Ah non, j'ai un dé. Ah non. Tit, à d'autres. On recommence sans insulte. Ok, ok. Dernière fois. Ça va, petit beau gosse. Petit beau gosse. Allez. Voilà, mais t'es tout ce que vous voulez. Regarde, ouais, mais regarde, il y a des petits papiers par terre. Ouais, ça t'avoue, c'est pas ouf quand même. Tu regardes tout ce que t'as fait là. Oh là là. Ah, mais c'est les factures. Elle ah, bah, Apu, il paye pas ses impôts. Délirag. Ah, il paye pas l'URSSAF. Elle est belle, cette supérette, quand même. Hein. Franchement. Ouais, mais elle est jolie. Hein. Elle est belle, hein. C'est pour ça que je l'ai braquée, en fait. Ah, c'est pas bien ça. Elle est où, votre maman? Elle est morte. Il est où, votre papa? Il est en train de baiser des putes. Adam 95, code 4, Adam. Vous savez que. Il est au Panama. On peut vous aider, hein, pour vous remettre dans le. Non, je veux pas d'aide. Je veux pas d'aide. Je veux pas d'aide, moi. Bon. Dans je veux juste. Vous avez des amis? Ouais, j'ai des amis. D'accord, ils vont pouvoir vous ramener? Oui, vous inquiétez pas pour moi. Ah oui, ben c'est parfait. C'est gentil, allez, passez une bonne soirée. Allez, bonne soirée. La prochaine fois, on sera peut-être pas aussi indulgent. Hein. Ah bah ouais, j'espère. Ah, on est d'accord. À bientôt. Bon, bonne soirée. Hein, je comprends, vous inquiétez. Ouloulou, hein, attention, cucu rouge. Hein. Pouloulou. Ouais. On va aller au custom. Où ça? LS Custom. Vas-y. Attends, je vais le coller au cul. C'est quoi comme véhicule ça? Ça c'est une sultane. Moi j'apprends une parce que je les reconnais pas. Je confonds avec les astéropes. Beaucoup cucu. Il y en a plein qui se ressemblent. Oui. Adam 23, 10, 19, LS. Du 4. Donc là, vu qu'on va au LS Custom, comment on sait quoi le code? 10-10, bonne part à tous. Bah du coup 10-10, ouais, on fait l'essai et on se met en code 6. On se met en 10-6. On se met en 10-6. Adam 95 et 10-6, LSC. Oui, je passe la récréation. Non, c'est pas moi, c'est on peut ouvrir le capot aussi, ça les arrange. Bonjour. Et bonjour. Vous allez bien? Ça va, vous allez bien? Ben oui, merci à vous. Ça va. Eh? Oui? Oui. Où? Hein? On m'entend pas. Hein? Si, on vous entend. Si, si, on vous entend. Eh oh. Oui? Eh oh, ouh. 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 Mademoiselle. Tu m'entends, 23, on est d'accord? Bah oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oh super, excusez-moi, j'avais gardé mes bouchons dans les oreilles parce que je me suis occupée de changer un truc tout à l'heure sur un moteur. Et ben je suis désolée. Ouais, je me doute, ça doit faire sacrément du bruit. Hein. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien et vous? Ben ça va, on vit. Ça y est, la guerre elle est terminée. Ouais. Ça veut dire bien. Hein. Ah ouais. Moi j'étais partie. Ouais. Comment ça? Ben j'ai fui le pays pendant la guerre. Vous avez bien raison. Si t'as raté des trucs, ça fait... Chose. Il y avait des amants qui fait fiou. Ah ouais, mais c'est pour ça, moi je suis pacifiste quand même à un certain stade, donc disons que... À un certain stade, ouais, est-ce que vous êtes quand même flic hein. 21 code 4 Adam de la fusillade noire à hauteur de l'Amérique. Pas des militaires, quoi. Voilà, exactement, ça c'est ça, ni des cow-boys. Voilà, donc du coup, puis bon, j'étais encore rookie hein, à l'époque, hein, donc moi j'avais juste un petit Glock, hein, j'allais pas me battre contre des gens avec des... Ça y est, vous êtes rookie. Hein. 21, on vient de voir la fusillade au niveau du canot du Scucci. Bah, j'étais rookie, on a été dans le bateau. Vous voulez prendre du 56 ou pas, nous, on va réparer? Bah ouais, voilà, mais après chacun, c'est longtemps, il n'y a pas de problème, mais on était pas trop matasse doté, quoi. Après, ils vous ont mis dans les bateaux parce que vous êtes afro, c'est pour ça. Ouh là, j'espère aussi.
Alors non, il y avait pas de racisme sur la voie publique. Non non non, il y avait pas de. Alors il y avait non parce que moi je suis portoricaine. Non mais il y avait pas du tout de. Non mais c'est parce que souligné en fact. C'est tout. Mais oui, non mais il y avait pas de. Non, il y avait rien de pas de racisme. Moi je suis portoricaine, alors je vais pas me. Non. Ouais, ça va passer pour cette. Non mais vous cherchez. Je me donne plus. Non non vraiment. N'inquiétez pas. Merci beaucoup. En tout cas. Oui, pareil. Bonne soirée. Ouais. Alors là on va enlever. Salut. Non, si tu veux savoir sur le MD, sur le dispatch, ouais. Ça nous avait demandé de mettre, tu vois, près de patrol, le nom du conducteur avec un C. Ah, c'est pour ça qu'il voulait mettre, pourquoi avec un C? C'est pour dire conducteur. C'est pour ça que moi j'avais marqué 23C. Attends, non, mais d'accord, excuse-moi, parce que moi je suis pas au courant de ça. C'est quand qu'ils nous ont dit ça? Il y a 4 jours. Ah oui, bah j'étais pas là, c'est pour ça. MD 3. Oui, voilà. Bon, je veux pas, il faut que je regarde un truc sur mon tel. Si je te réponds pas, c'est parce que je suis hyper content. Ouais, t'inquiète. Faut que j'aille faire pipi. D6 temporaire au PDP. Reviens dans 20 minutes. 10-4. C'est bien pris. Adam 23, 10-19 sur les braquages de contenu. 4. Pardon. Pourquoi les codes 3? Moi je vais sur les braquages de conteneurs. C'est juste pour aller plus rapide. Encore pipi. Les conteneurs au dock, c'est ça? Ah si. Et du coup vous avez une petite copine, un petit copain? Elle est décédée il y a 2 semaines. Ah mince, pardon, excusez-moi, je mets les pieds dans le plat. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Bah, mes condoléances, hein. Merci. Je suis vraiment désolée. Bah, c'est la vie, écoutez. Ouais, mais bon, quand on même. Plus rien. Non, c'est sûr, mais bon. Moi, j'imagine pas si. Adam, maintenant, on va se rendre sur la 10-31 une fois qu'on a terminé notre 10-6. Bien pris. Bien pris. 25 à All You Need, c'est pour vous rappeler qu'au Scripteo Espresso, on a 3 menus gratuits par soir. Merci. Par agent, si jamais vous aviez oublié. Eh, trop bien. C'est bien ça, hein. Merci. Je passe par là, tu m'excuses. Non, non, mais faites, hein. Je regarde, observe. Vous apprends aussi en même temps, hein. Je connais pas tous les trucs. Les codes peut-être? En soi. Code 2 au moins. Je sais pas, ok. Ah. Vous me dites si vous voyez quelque chose. J'ai cru, mais non. Je laisse regarder à droite, je regarde à gauche. Oui. Ah, à droite, attendez, reculez. Là. C'est ouvert. 32-19 expresso. Bien pris. On fait quoi? Jamais fait. Bonsoir. Attendez, je sors. Ah, excusez. N'inquiétez pas. Ben alors? Ah. Ah, il est parti. Oui, il est parti. J'ai vu un homme avec un haut blanc et je crois qu'il était typé afro-américain.
Il est parti dans quel sens? Ah, je l'ai pas vu partir malheureusement. En voiture à gauche. Tout droit et à gauche. Ah, celle-là la prochaine. Non, c'est pas là. Peut-être. Les conteneurs à droite, tu les vois ouverts toi? Les conteneurs à droite, je les vois pas ouverts non. Ok, c'est ce que je me dis. Adam 95 10 19 sur le dernier braquage de pompiers. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Monsieur? Bah super. Oh. Il se casse comme ça lui là-bas. Bon bah un code 6. Un code 4. Oui, 4-4, excuse-moi. C'est pas grave. Madame 23, code 4 sur les conteneurs. 10-4. Mais let's go, on repart, hein. La fille. Ouais, c'est un petit peu coquin, les conteneurs. Alors, à chaque fois, je trouve personne, à chaque fois que j'ai vu. Ouais. Là, j'ai vu quelqu'un, hein, mais après savoir où est-ce qu'il est parti exactement. Les produits chimiques, on vous a expliqué? Oui. Quand vous savez que vous devez le mettre dans le 911? Ah, ça oui, dans oui, oui. On voulait attraper. Dans les liaisons. Ouais. Ici à droite, là, là où il y a les piliers, au bord de la plage, souvent il y a des gens, ils font pousser. Ils attendent des pots. Donc c'est toujours bien d'avoir un œil. On se voit depuis ici. Ouais. On les voit courir des fois. Mais il y a l'air de rien avoir. Non, là il y a rien. Ah, il y a des coups de feu. C'est Roxwood. Ah, Roxwood. Et du coup, c'est Galapagos. Ouais, ça aussi. Et pour moi, c'est un mystère. Après, il y a un braquage de caserne de pompiers. Ah, bah, si vous le prenez, on prend, moi je prends. Ok. Je te laisse faire le call. Alors. Madame 23, 19 sur le dernier braquage de. Des police, des firemen. Je sais pas comment dire. Bien pris. Caserne de pompiers. Oui, merci. Caserne de pompiers. Non, mais j'ai beaucoup de mal. C'était fou. Adam 95, on est déjà sur le braquage de pompiers. Ah, pardon, bien pris. Pris. Des fois, j'ai des mix de langues. Ah, parce que je parle gaélique, moi. Du coup, parce que je suis irlandaise. Et du coup, ben, des fois, j'ai du mal. Le gaélique? Ouais. C'est quoi ça? Le gaélique, c'est ben c'est la langue irlandaise. De base, il y a noir occupé deux fois. 17. La fille. Allez. À chaque fois. On vous a dit aussi que il fallait qu'il fallait toujours sortir une arme quand vous êtes passager et que votre collègue il met l'essence. Oui, au cas où on se fasse péter. Exactement. Comme ça, on est préparé à toute éventualité. Merci pour les follow. C'est plus un mince, c'est un regard. Ouais, mais que tu parles de tout à l'heure parce qu'elle n'entendait pas en fait. Tiens, on vous donne pas la carte d'identité, celui qu'on a la ref. Je sais pas ce que c'est ça. Bobby dit à 42. Il y a déjà eu un mot à l'arrière. Dans les derniers. Dans le quartier. Deux, pardon. J'ai dit, il y a l'agent IMO dans le... Ah. Ça fume pas mal, non de... Où ça? Ah, les bâtiments. Enfin, je trouve que il y a beaucoup de cheminées, quoi. C'est qui a installé ici, d'ailleurs? Les North... Les pardons.
Les North Niche. Les North Niche Nation, North Nation. Ah, Nation. Oui. Pardon. Les North Nation. Ah, j'ai entendu North Niche, je comprenais pas. Excusez-moi. Non, non, t'inquiétez pas. Mais ils sont installés là depuis quand, eux? Alors là, je sais pas du tout. Ils sont pas à leur quartier, en tout cas. Un petit rassemblement là-bas. Attendez, je vais regarder les secondes. Je vais juste voir un truc. Bah là-bas, justement, c'est l'agence IMO. D'accord. Venez, on va aller voir. Il y en a un qui nous a fait un joli doigt. Non, mais vous pouvez rentrer, hein. Allez-y, hein. Ouais, je suis moyen chaud. Non, non, il n'y a pas de moyen chaud. On va dire bonjour. Quand il est jeune. Bonjour. Salut. Maison parent 1056. Vous allez bien? Il va s'occuper une fois. Ça va et vous? Ben ouais, on venait faire un petit coucou, manière de. Je trouve que ça fait trop de coucou de la part du SASP pour ce soir. Ah bon? Vous attends, êtes alors, les quatrièmes. Alors j'étais pas. Alors personnellement, je suis désolée parce que j'étais pas au courant. Et il se passe quoi là? Qu'est-ce que vous nous voulez là? Mais ça non, fait mais 4 en fait, là. Parce que je viens de voir votre quartier, je le connaissais pas, ah je le trouve trop beau. Bah bienvenue chez la North Nation. Vous pouvez visiter un peu? Parce que je connais pas du tout. Bah. Non. Oui, dis-moi sympa. Elle a dit que le panel n'existe pas, wesh. Sur le 7, comment alors, ça peut n'exister pas, pas vrai. Non, c'est pas qu'il existe pas. Mais si, il existe. Moi, tous les jours, je voyais au magasin, tout ça. Il était là, mais attends, il était là. Attends, viens, on change au dernier braquage du conteneur. Non, mais en fait, c'est que le Père Noël originel, il n'existe plus parce qu'il est mort. Mais après. Quoi? Non, mais ils ont recruté un autre Samba. Non, mais madame, pitié. Il existe, Samba. Il existe, c'est juste que bah, il a des les gens font croire qu'il n'existe pas. Oh madame, regardez la station essence. Pardon, mais quoi, monsieur? Regardez la station essence. Il existe en bas, t'inquiète pas. Bah, je sais pas, il y a l'essence qui fait là, regardez. Mais la station essence, elle est là-bas. Non, elle est là. Elle est là-bas, elle est derrière. Actuellement, deux véhicules, une Buffalo S grise et une Oracle. Viens, elle est là-bas, regarde. Santa là. Cruz, non, non, mais je voulais juste voir un petit peu votre quartier parce que je. Bah, ouais, bah regardez, là vous avez les bâtiments sur trop. Vous étiez vachement bien installé quand même. Est-ce que je peux. Ah, ouais, quand même, ouais. Non, vous pouvez pas monter. Et puis tiens, malheureusement, est-ce que tu peux appuyer sur la radio? Non, je ne peux pas appuyer sur la. Est-ce que tu peux me tirer dessus avec le taser? Adam 95, du coup, Code 4 Adam. La dernière fois, il y a mon collègue qui m'a inscrit sur le noir au niveau de Maison Carena. Votre collègue, il a fait quoi? Ah, je m'en souviens, c'était galerie. Il m'a tiré dessus avec un mortier. Moi, je vais bien tirer dessus avec un taser, s'il te plaît. Non, mais je peux pas vraiment. Ça serait pas. Après, plus tard, j'aimerais bien. Et après, plus tard, si tu peux me tirer avec une carabine, je veux bien aussi. Non, moi, j'essaye de prôner la non-violence. Alors, je sais, ça peut être compliqué selon mon travail, mais. Madame 03, on aurait besoin de 35 sur la poursuite de la Buffalo. Oh, vas-y, vous me fatiguez, allez vous faire enculer. Parce qu'il y a une unité. Et pourquoi il a une unité qui en fiera? Qu'est-ce qu'il paraît, j'ai des problèmes. Buffalo. Ah non, c'est une buffesse. Il y a Buffalo. Non, si jamais appelez le TPH de Carter, s'il vous plaît. En tout cas, vous êtes vachement bien installé. Vous bégayez mieux qu'avant, c'est grave. Ben ouais, vous prenez confiance. Vous avez tous les collègues, on a aussi une Sierra Flo à occuper deux fois qui essaie de nous prendre en otage. On n'a pas la plaque. Mais faites attention, du coup. On est là, quoi. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Moi, je peux pas dire, je viens du Japon. Moi, Caroline, sur ma backup, on a vu des individus se taper, on a voulu voir ce qui se passait, et puis là, c'est nous qui nous faisons taper, on aurait besoin de repartir. Ah, ouais, non, mais je comprends. On arrive. Mais je suis japonais, ouais, je suis d'accord, mais ça perd. Mais le pire, c'est que ce connard, il est vraiment japonais. En fait, il est sérieux. Je suis japonais sénégalais. La tête de ma mère, wesh. Mais non, mais parce que vous avez le 7, t'as fait le 25, tu fais la backup de vêtements. Mais c'est chaud. Vous tenez plus vachement du sénégalais quand même, on est d'accord. On arrive. Bah, ben, je sais pas, il est où le Japan Expo là sur votre visage? Il y a rien. Vous voyez pas mes yeux, mon nez aplati un peu comme ça là. Il a aplati votre nez là. Regardez. De toute façon, les japonais n'ont pas le nez aplati. Ouais, mais pas trop, mais genre, j'ai pas un big nez non plus, wesh. Vous avez même pas les yeux. On peut 50-41. Bah, en fait, le seul trait que t'as récupéré du Japon, c'est le petit visage, mon frère, hein, c'est tout. Hein. Le petit kiki. Et encore, hein. Pardon. Ça. Le 21, du coup, les Madame pas, Lacombe, c'est des North Nation, ils étaient pas masqués. Bah, attends, vous montrez. Ils traînent en séraphe noir avec des jantes. Mais non, mais parce que. Tu penses que t'as hérité du côté japonais de ce côté-là, Samba? Bah, je sais pas, j'ai jamais encore vu, en fait.
Ben ouais, mais. Comment ça, tu en fait, j'ai pas comparé avec mes potes, du coup, je peux pas savoir s'il est bien ou pas. Bah, c'est dur, on va comparer après dans les toilettes. Bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée. Pitié, sortez-moi de là. Non, ah, s'il vous plaît, allez au poste. Non, ça va aller pour moi. Eh, madame, venez, vite, je vais vous montrer un truc, venez. Ouais, s'il vous plaît, qu'à vous, baise. Bah, non, pas tout de suite, s'il vous plaît, j'ai un copain. Du coup, vous voulez me montrer quoi? C'est juste ça qui vous a dérangé dans la phrase, là. Attendez, essaye de me montrer. Allez pas truc. Me dire vous êtes mon copain maintenant, vous êtes dans la merde, je vous assure. Madame 19 vers les mais non, mais pas à vous, j'ai un copain, copain avec qui je suis dans la vraie vie. Venez, regardez, j'ai fait de la musique. Ah, c'est vrai vous êtes en couple IRL, madame? À part ça, tous les jours, hein. Ouloulou, hein. Ok. Elle sort, ça bouffe des muffins à longueur de deux soirées. Hein. C'est qui ça? Ben, c'est des gars. Muffins? Ah, vas-y, qui c'est qui a enlevé? Qui c'est qui a enlevé? Soit t'es toi. C'est pas moi, la tête de ma mère, c'est pas moi. Au nom de. Au nom de Dieu, je squash mon enfant, c'est bro. En tout cas, j'aime beaucoup votre petit bulldog sur votre collier là. Ils ont caché la télé. T'as dit qu'il y a la télé. Allez hop, regarde, personne n'a écouté ton son. Merci en tout cas, c'est très sympa. Ouais, bah, pas de soucis, hein, mais repassez quand les deux tétraqués sont pas là, peut-être qu'on pourra discuter. On viendra en j'ai un clip en tout. Et désolé du coup d'être les quatrièmes, j'étais vraiment pas. Non, mais c'est pas grave, on a compris. C'est juste parce que c'était la curiosité, tout simplement. Bah là, vous avez les bâtiments centraux, puis après, vous avez des bâtiments derrière là qui font jusqu'au. Ouais. Votez sans barre pour les élections, merde. Vous êtes vachement bien situé. Vous en pensez quoi du métissage? Ouais, on est plutôt content. Vous en pensez quoi du métissage? Du métier de sage? 10-4. Oh, du métissage. Ah, du métissage. Du métier du stage. Désolé, je m'en vais, je peux plus en fait. Bonne soirée, madame. Pitié. Madame, vous voyez ce que vous faites? Madame, vous faites du combien aux chaussures? Madame, oula. Ah, il m'a fait tuer. Est-ce qu'une unité je comprenais pas un mot. C'est annoncé sur le dernier 10-40, s'il vous plaît. Ah, tiens, lui. Pour des unités ici pour intervenir sur plusieurs individus qui se frappent, s'il vous plaît. Bien, pas. Madame 23, on arrive. Avec le 32, on arrive également à 2,5 km. Aïe, aïe, aïe. On est bien carré. On est très bien carré. Super, vous mettez tous les jeunes là contre le mur, s'il vous plaît. Mais ça va, on se bagarre plus là, c'est une chamaillerie entre frères et sœurs. Le mur, je répète le col encore une fois. Mais on se chamaille plus, on a fait la paix. Oh là là. Putain, ils ont ramené la rousse qui parle 42 ans. C'est bien, tout le monde contre le mur, s'il vous plaît. Dernier avertissement, merci. Pour quelle raison? Dernier avertissement, mettez-vous tous contre le mur, s'il vous plaît. Parce qu'on vous en peut pas, on n'est pas là pour vous faire plaisir. Allez-y. Allez, super. Ouais, c'est la famille Aliwell là. Tu suis un flic, t'es renié de la famille. Vous me prenez des gens, ils sont en train de faire. Vous l'attrapez, vous le menottez et ensuite vous tempérez. Viens ici. Viens ici ou je te tase. Viens ici. Bonsoir, excusez-moi. Attendez, j'ai ramassé mon lacet. Non, y'a pas de lacet qui tienne, hein. Vous. Arrête de me faire chier, putain, tu me fais chier. Tu me fais chier, tu m'emmerdes. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. J'arrête. Contre le mur, s'il vous plaît. Je suis contre le mur là, non. Pourquoi vous êtes chiant? Vous êtes devant chez moi, vous m'adressez sexuellement, madame. Vous déjà, y a pas d'histoire d'aubergine entre vous et moi. J'ai pas dit j'ai oui. Pas envie de manger un gratin ce soir. Merci, non merci. Un gratin quoi? De pain d'aubergine. Ok. Lui, je ne veux pas lui parler, il me ressemble et ça me dérange. Ah ben, je peux vous parler. Vous dérangez aussi, on va quand même parler. On parle du 50 de loin, club noir, vous faites les fois suite au braquage. Non, il a les cheveux, j'aime pas. Je parle pas aux gens qui me ressemblent. Bah, parce que la coupe mulet, c'est à la mode. C'est plus à la mode, ça date. Bon, je vous écoute. Qu'est-ce que j'ai fait, madame? Ben, a priori, vous êtes battu avec vos collègues, là. Va falloir aller... Non, moi, j'étais en voiture. Prends juste sa carte d'identité. Oui, carte d'identité. On a eu l'ordre. Oui, madame, tiens. Monsieur Steve Big Show. Ah... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes vous vraiment pas l'ordre, vous, hein. Du tiroir, vous, non plus. Hein. Arrêtez de dire ça, je vais vous pousser. Comment ça, vous allez me pousser? Bah je vous préviens, je vous sommationne que si vous redites ça, je vais devoir vous pousser. Bah écoutez, je suis désolée, mais vous êtes quand même pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, hein. Ok, je vous ai prévenu. Ah non, hein. Ah bah non. Vous avez pas agression sur agent. Agression sur agent. Non, c'est pas une agression, je l'avais dit. Allez, relève-toi, relève. Ça va, vous allez bien? Je vous enlève les picots, je vous enlève les picots. Attendez. J'aimerais bien enlever. Voilà. Ça va? Ne me demandez pas si ça va, la rousse. Contre le mur, contre le mur.
S'il vous plaît, est-ce que je suis un chien? S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je suis un être humain, je pense que je mérite quand même. Mais qu'est-ce qu'il aboie? Vraiment pas mal. Mais pas mal de respect. Arrêtez de t'aboyer. Voilà, pas besoin de gueuler, allez contre le mur, s'il vous plaît. Voilà. Vous me dites pas ce que vous me faites et vous le faites. D'accord, non, ok. Mais, non, mais t'as... C'est super. Vous me l'embarquez pour refus d'obtempérer le jeune. Allez, j'adore. Non, mais soyez pas comme ça. Non, vous êtes compétent. Mais arrêtez. J'adore, ça me fait kiffer. Toujours pas content, c'est pas possible. On va être content quand t'as trois agents débiles. Non, mais déjà, on dit pas qu'on est débiles, on est gentils. Voilà. Non, on est des gentils. Voilà. Et gentils débiles. Peut-être, mais gentils quand même. Allez. Super, allez. Par contre, pourquoi vous me le mettez dans ma voiture? Bah c'est vous qui l'avez arrêté, hein, c'est pas mon pas. T'as vivement qu'on ait une deuxième voiture un jour. Regardez la grognasse là, putain. Elle est super drôle. Vous dirait qu'elle a des hémorroïdes. Des hémorroïdes, hein, ça se voit. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Hop dans le coffre. Oui, ça va super et vous? Pas ça va. Cours, Stevie, cours. Hein? Bah, il court dans la voiture. Il a couru dans la voiture. Viens, Stevie, coopère. Non, on viendra le chercher, Stevie. Oui, on ira te chercher, Stevie. Bon, vous prenez pas. Bisous, Stevie, on t'aime. On viendra te chercher, Stevie. On n'est pas du tout, s'il vous plaît. C'est fini là. Oh my god, la police à vélo. Non, mais c'est pas plus à vélo. Non, arrêtez. C'est fini là. Mais pas, ça sert à rien. Vous allez vous faire bazoukater. Adam 16, on arrive. Comment ça va? Mal. Pourquoi? Vos agents sont débiles et ils m'ont énervé. C'est pas dur, si personne se désigne, vous désignez là. Ça y est, ils vont se réveiller un petit peu. Sur le chemin, toute la douceur et de la gentillesse. Non, on traverse que dalle. On reste ici. Apparemment, il y aurait trois agents qui ont été retrouvés menottés. Non, mais. Du coup. Bien pris, Adam 25, on y va. Je vous jure et je promets que je vais aller avec les amis Galapagos et que je vais bombarder vous, l'Amérique. Le cordon arrive pour le recensement. Moi, j'étais partie sur un truc sympa, où je me suis dit, on va faire connaissance. Tu me disais que Los Santos avait une très bonne équipe de police. C'est des menaces terroristes. Tout bien allait se passer, et ça s'est super mal passé. Ça fait deux fois que deux agents m'arrêtent pour de la merde, et en plus d'une façon pathétique. Comme vous êtes pathétique. C'est des menaces terroristes, ça. Oui, c'est des menaces, tu vas faire quoi? Terroriste. Terroriste quand même, attention, vous frôlez. Non, tant pis, je prendrai la maximale. Mais non, mais pour rien d'ailleurs, pour rien, parce que c'est incroyable. Vraiment, c'est fou, hein. C'est dingue. Moi, j'essaye de vous aider. Je vous essaye de vous mettre sur la bonne voie. Et vous persistez à vouloir vous cogner la tête contre un mur. Vous n'auriez pas envie. Mais vous devriez, parce que... J'arrive à avoir envie, parce que les flics, c'est des connards. Non, c'est je pas Je sais pas vrai. Si vous savez, c'est tous pas nous qui avons fait la guerre, on est gentils, et vous nous faites chier. Non, on n'est pas tous faits du même bois. Je suis désolée. Voilà, d'abord. Et juste parce que c'est vous que je suis courtois. Hein? C'est juste parce que c'est vous que je suis courtois. Ah bah, vous êtes courtois là? Oui, un peu plus, j'aurais pu être plus énervé. Non, parce qu'il y a courtois et courtois quand même. Et moins coopérant et barré, ne pas vous calculer, vous insulter vos mères, vos grands-pères, votre grande-tante et votre grand-frère, votre petit-fils et votre mère. Allez, contre la vie. S'il vous plaît! S'il vous plaît, je vais escorter, ça vous va? 10-4. Vous êtes content là? Je vous ai dit, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, on va vous mettre en cellule. Alors. C'est métro de donner des ordres, vous. C'est bien ça? Quitte à moi? Non, les flics. Ah non. Bon, pas forcément. Tu sais faire ça, le temps d'aller faire pipi? Attends, on va faire pipi. Comment? Oui, va-t'en, je préfère. Oui, vous allez faire pipi? Attends, cadet. Ouais, j'arrive. Bah, je vous attends pour le R1. Non, vous pouvez pas me poser, j'ai l'impression que vous voulez dire qu'on a un véhicule du sérigraphie qui a été volé en tout d'Arcadius. Merci. Je dirige possiblement Marie. Est-ce qu'il vous a fait la palpation ou pas? Tout ce qu'il m'a fait, c'est mets-toi contre le mur, je te menote sans te le dire et je t'en tue. On est à la marina, on est pas le cas. Je vais vous palper, d'accord? Oui. Je vous donne l'autorisation de le faire. Finalement, la marina, il y a simplement un scout à l'intérieur. Il n'y a pas de fugitif. Juste que vous avez perdu, c'est ça? Affirmatif. Est-ce que je vais sentir un peu de machin? Comme vous voulez. Bon, ben je sens rien, c'est déjà pas mal. Bah non, je sens rien. Non, vous sentez quelque chose? Bon,
Est-ce que vous arrivez à vous redresser quand même, hein. Arrête, tu sors un truc quand même. Hey, me force pas à me foutre nu là, s'il te plaît. Vous le mettez sur le truc et ça fait pchit. Et après, il paraît ça fait gros. Madame 25, on se rend sur le dernier des 31. Ne serait-ce pas. 10-4. Bah oui, mais pour rien, vos collègues sont vraiment cons, madame. Super, Tracy vous a demandé tout le monde au poste pour les recensements là, y'a personne qui vient. Bon, pas vous, vous êtes pas con. Mais les autres putains. On arrive, on a actuellement. Super, et notre unité là. On a pris votre carte d'identité, évidemment. Est-ce que. Non, moi, tu peux faire rapidement un check sur les 31 au niveau. Parfait, merci à vous. Parce que vous êtes complètement con à venir devant chez moi dire que tout le monde se tape alors que c'est mon frère, mon grand frère qui mettait une leçon à quelqu'un de ma famille. Comme la famille le fait, et ils ont commencé à nous arrêter. J'avais pas envie d'un contrôle, j'ai le droit de dire. J'ai dit non, je suis parti. Voilà. Oui, mais après, vous avez agressé un agent de police quand même. J'ai pas agressé, je vous ai bousculé, je vous ai prévenu que j'allais le faire. Vous m'avez plaqué au sol, dans les poubelles. Oui, parce que vous vouliez me taser. Regardez, j'ai même une égratignure sur le doigt. Eh bien, moi, j'ai deux pinces dans mon dos qui ont très mal été enlevées et arrachées, qui prouvent que je me suis pris un coup de taser sans putain de sommation et ça m'a fait mal. Vous êtes prévenu, hein, je vous ai dit, si vous me faites mal, vous tapez. Je vous ai pas tapé, je vous ai tasé. Alors, vous êtes trompé. Alors, vous avez présenté votre pièce d'identité en boucle, tant que je vous dis pas d'arrêter. Et pitié, pitié, on va là-bas, j'entends rien. Oui, attendez, venez. Oui, venez, ça va mieux là ? Ouais. D'accord. Merci. Non, t'inquiète. Bon, cette personne, elle fait des bêtises. Elle a fait agression sur agent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Mais une capote ? Bah non. Bah du coup les procédures normales et sur le R1 on marque agression sur R1. D'accord, j'ai procédé déjà à la palpation. 0650. Une fois qu'on a procédé à la palpation, qu'est-ce qu'on fait ? Buffalo Grease et une sorte de stagneur. Non, bah baissez la radio. Mais c'est pas la radio, ça y est, c'est Buffalo Grease sortant de la fête foraine à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a palpé la personne et qu'on connaît les faits d'arrestation ? Information du coup, la plaque de Buffalo qui nous prend en otage, elle est dans photo preuve. Non, je te laisse me présenter ta case. Je suis désolé, on va avoir... 4-4, s'il vous plaît. C'est Steve Big Show, préféré. Steve Big Show. Oui, je l'ai déjà, moi, sa carte. Bah du coup, monsieur Steve Big Show, nous sommes actuellement le 28/10/2024. Il est 22h39. On a 21-19 PDP pour les recensements, du coup. Vous êtes placé en état d'arrestation pour l'effet suivant. Agression suivante. Vous avez le droit de garder silence de ce que vous direz, pourra et sera retenu contre vous lors d'une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de votre interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis de fiche. Vous avez également le droit à manger et à boire à des soins médicaux pendant votre temps de séjour. Est-ce que vous avez compris vos... Ouais. Est-ce que vous voulez exercer un de vos droits ? Rien à foutre. Vous avez pas faim, pas soif, rien ? Rien à foutre. J'irai crever en prison, sera de votre faute. Okay. Bon, du coup, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, t'as déjà fait la fouille ? En fait, vous vous ennuyez, vous avez besoin d'une expérience pour votre cadet, vous m'avez fait chier, quoi. Mais non ! Car 05, du coup, on a retrouvé votre véhicule, il est dans l'eau au niveau de la tête foraine. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Okay. Du coup, là, on va les mettre en Japanese, là, je sais pas comment on dit dans votre langue, là. Et du coup, les boucles d'oreilles, parce qu'il a des boucles d'oreilles, oui, les lunettes. Les lacets de chaussures, la ceinture, le téléphone, les objets tranchants, les objets coupants, voilà. Poil. Oui, mais les lunettes et les boucles d'oreilles aussi. C'est pas dit avant le prénom, mais après, enfin, mon famille, mais après. Vous êtes bien blanc. C'est comme vous voulez. Prenez pas le soleil, vous, hein ? Non, je suis un Américain qui a la flemme d'aller au soleil. Bon, allez, venez. Ok. C'est là-bas les cellules. Et c'est les nouvelles cellules, vous les connaissez ? Oui. Ah. Je les connais par cœur. C'est quoi votre tatou dans le dos ? C'est celui qui s'est approché trop près du soleil, il s'est brûlé, la chatte. Voilà. Ah, je croyais que c'était un nom qui donnait un coup de pied à un pigeon. Hey ! Mais non, mais pardon, c'est parce que j'ai vu des plumes voler. Je suis tout nu là. Ça vous dérange pas ? Et je suis tout nu, j'ai tout enlevé, j'ai plus rien. Je suis tout nu. Non, vous n'êtes pas tout nu, monsieur. Je sais quand même faire la différence entre un homme à poil et un homme en caleçon. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à cacher. Hein. Voilà. Je suis tout nu. Eh ben, c'est dommage, mais j'ai la cellule qui vous cache pile poil là où il faut. Et pourtant, les barreaux, ils sont pas très gros. Hein. Ben, n'inquiétez pas. Mais après. On se marre ici, putain. Ah, c'est
bien déjà vous marrer. Je me permets de vous laisser 3 secondes, le temps de voir ce qu'il fait. Hein. Alors du coup là, oui, vas-y madame. Je suis en train de faire le RE. Mais d'accord, Santana, arrête de battre le mec en caleçon là. Yo te vois. De combien il amende? Non, je t'ai vu le maté quand il est arrivé. On va faire la nominale. Dame 95, 19 sur le dernier 42 km. 14. Ah putain, en vrai, il a difficilement été contre. Allez, mettez-vous en face de moi. Il râle un peu, mais il est pas non plus. Ok, bah d'accord, on va mettre la mini. Oh Santana, sorry pas pendant la photo. Tu pourrais regarder, c'est quoi la l'amende pour la progression sur AG. Merci. Putain. On t'a pas donné le petit tableau? Si, mais vu que je suis en train de faire le. D'accord. Je suis en train d'écrire ce qui s'est passé. Regarde, J'essaie de régler mon appareil. Cheese! Oh, enculé. T'as vraiment plus dedans. Non, agression à mettre. Agression sur agent. Combien? 1800. 2-10-3. Ok, c'est 1800. Y'a pareil. Et 3 minutes pour le tout en peine. Ok. Ok, merci pour ça. 35-10-3 et 10-12. Y'a pareil. De 16 pour les dispatchers, maintenant du coup, vu que personne n'a répond à vos appels, vous demandez une fois si personne n'a répond, vous désignez, d'accord? Du coup. J'ai marqué, vous avez entendu, dispatcher. Prendre ma garde de rue, oui, bien, comme nous sommes bien, arrivés, M. Bichot s'est mis à courir. Nous l'avons interpellé et il a tenté de nous agresser. C'est suffisant, non? Alors, tu mets que quand même on a été contacté par l'unité 16, qu'on est arrivé sur place. Dites bien que je vous ai simplement plaqué au sol. Arrêtez de dire que je vous ai agressé. Je vais finir par vous agresser, vous allez voir ce que c'est. Mais monsieur, descendez de là. Non, je vais pas descendre. Agressez-le. Mais si. Venez me faire descendre alors. Ah non, je vais vous montrer ce que c'est une agression et vous allez pouvoir dire que je vous ai agressé. Mais arrêtez en plus de ça. Non, j'arrête pas, non. Mais c'est pas possible. Mais on vous a enlevé votre lait maternel à la naissance, vous, pour pas être aussi... Tais-toi, je vais t'arracher tes lunettes. Vous êtes hyper... Parlez-moi, vous êtes pas tout seul. Faire quoi? Ah, vous allez faire quoi? Calmez-vous. Mais moi, j'étais sympa, je vous ai mis la nominale. On part sur un 56. Continuons, vous mettez la nominale. Beige, occupé deux fois. Au niveau de la bibliothèque. Ah, c'est moi qui devrais vous remercier. C'est vous que vous devriez me remercier de vous avoir fait travailler dans votre vie, c'est tout. Alors, le PDP, il est mal sonorisé. S'il te plaît, parle pas là trop fort. Oh, il est gentil. Enfin, rattrape-le sur le s'il te plaît. C'est bon garçon. C'est lui là, je sais pas ce qu'il a, mais je crois qu'il est en colère, monsieur. Ouais, il est pas content, il est pas content. Bonsoir, vous êtes en colère, monsieur? Bonsoir, la foutre. Je pourrais te calmer si tu veux. La foutre. Écoute-moi bien, tu vas baisser d'un ton sinon on va t'apprendre à te la fermer. Rien à foutre. Prends mieux comme ça ou pas? Non, pas compris. Je vous laisse. Bah tu lui mets la Nomi, hein. Nomi? Bah c'est combien Nomi? Ouais. Elle a combien la Nomi? Attends, je vais te calmer, jeune homme. Faut pas crier comme ça, y'a des gens qui travaillent. Rien à foutre. Bah du coup la Nomi c'est 7200. Ouais, écoute. J'ai été gentil avec toi, monsieur. Agression sur l'argent. Voilà, je suis énervé. Ah ouais, nominal. 7000$? Non, bah on va pas vous mettre 7000$, mais quand même. Hein. Plans, quoi. Si, si, c'est nominal. Hein. C'est 7000$, 7000$. Puis... Bon, bah 7000 alors. Dégage, là, attention! Ah bah là, la nominale, je crois qu'il l'a bien mangé du coup. 50 de l'individu, on procède maintenant à un petit 38. Non, là, cette fois, elle est méritée. Je préfère prendre pour quelque chose que j'ai fait que pour quelque chose que j'ai pas fait. Mais vous êtes incroyable. C'est pas ce voilà. Vous avez vraiment le cerveau en bouillie, hein. Non. Je vous avais pas agressé tout à l'heure. Maintenant, j'ai agressé quelqu'un. Maintenant, je mérite 7000$. J'ai pas agressé. Mettez les plans, vous, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Il m'a fait un plaquage au sol, donc on a arrêté pour agresser sur agent. Oui. Et du coup, ben il est pas content. Et du coup, il est un peu vindicatif. Et du coup, ben, il vient vraiment de l'agresser. Attends, on aurait Bah ouais, tu vas parler comme un chien. Je t'ai pas parlé comme un... C'est bon. Si on est juste à côté, on va aller voir. J'ai pas envie d'être gentil avec vous. C'est
combien la nominale de ton véhicule? Mais là, de ah, Lupé? Attendez, excusez-moi, Steve. 7000$, Tracy, 7000$. Est-ce qu'on peut faire un check des unités, du coup, voir s'il y a des gens qui sont pris en otage? Étant donné qu'il y a déjà eu des tentatives. 16 pour. Je vous avais mis la mine, et vous avez empêché la mine. C'est pas celle qui a été volée par les deux fugitifs. On a pas retrouvé la torrent, ça. Non, mais si Fatman, elle est dans l'eau à côté de chez les bois, elle est même. Agression sur agent, c'était 38 minutes. 16 pour 06, est-ce que t'as un sabot par exemple? Là j'ai mis la nominale. Je te fais une maquette, tu peux venir sur moi, ça dérange pas. Je sais pas, j'ai non, celle de 7002, tu mets 7000, c'est très bien, ça suffit. Là, oui, mais j'ai mis 7000. Mais je vais dire la paix. 50, fin du 38, retour en code 7. 12 minutes. Et un plus 4. 35, 10, 12. Après le problème, 35, c'est 12, que... 35, 10, 12, 35, 10, 12. 35, 10, 12. Ah, oui, parler là. Alors, attends, je regarde. Je m'occupe de vous. 03 pour dispatcher. Écoute. Vous pouvez faire un check des unités, s'il vous plaît. Bien pris. Bon, 2 sur le dernier vol de véhicule. Du coup, tu lui as fait l'amende? Tu lui as demandé s'il était solvable? 03, je vous laisserai faire un 10-19 PDP pour y il est pas solvable et je l'ai fait. Plus 4. Il m'a pas demandé. Il a rien demandé. 19, 18 et 10-12. Bonsoir à 12. Ouais, mais j'en ai déduit. Tu devais braquer une banque. Je te jure. Ah bah bravo, félicitations, vous êtes encore plus con que ce que je pensais. Madame 06, je vous laisserai faire un 10-19 PDP pour récupérer 19. Attends, on est encore sur les conteneurs là. 95 du coup, le 10-40 se transforme en 10-56, une fusillade grise occupée deux fois. Mais on est où là? Faites la RA encore s'il vous plaît. J'ai fini le RA. Ok, donc là vous le... La Vivender. Vous lui demandez s'il est solvable, vous faites payer qu'on le sorte rapidement quand même, parce que ça fait un moment qu'il est solvable. Madame 32, votre 10-20 s'il vous plaît. Est solvable? Poste de police. Oh d'armes. Bien pris. Est-ce que vous êtes solvable de l'amende? Mais il faut lui dire le montant. 05, votre 10-20 s'il vous plaît. Mais 7002. Vous êtes solvable de 7002. Non, vous êtes pas solvable. Je sais, dans une semaine, blablabla. Voilà, donc vous avez une semaine pour payer l'amende. Avais tu le facture? 06, votre 10-20 s'il vous plaît. Il l'a déjà fait, il l'a fait. Il l'a déjà fait, ça fait. Il l'a fait sans demander, il est rentré, il m'a mis la facture. Je te la signe en le RA, d'accord? Allez, venez. 25, votre 10-20, s'il vous plaît. Actuellement, Colina. 10-4. Vous n'avez pas froid? Non. Vous n'avez pas un petit flemme? 10, votre 10-20, s'il vous plaît. Actuellement, procès de... C'est de comment? Rien du tout. Mademoiselle, excusez-moi. Juste me barrer d'ici, hein. Vous avez un petit truc à manger? Non. Il un petit... Genre, si vous êtes mignonne, mais non. S'il vous plaît. PDP Vespucci. Ça va? Non. En gros 50, on se rend compte braquage des conteneurs. Je suis d'accord. C'est nature. C'était vraiment, vraiment Madame chaotique. 7000$ pour ça. Bon, allez, venez. Ah, oui, là, tu les as mérités, t'es ça. Tu... Ah, mais ferme ta gueule, je t'en supplie, ferme-la. Ferme-la. Non, mais arrête de parler, tais-toi à tout jamais, ferme ta bouche. Calme, calme. Je suis super calme, mais j'ai pas envie de l'entendre essayer de me dire, ouais, 7000$, c'était mérité. Là, je les ai mérités parce que j'ai décidé de les mériter. Ok? De me les prendre dans le vent pour rien, c'était nul. Nul, t'es le guest d'ailleurs, t'es nul à chier, frérot, tu pues la merde. À la base, t'es un flic nul, tu pues la merde. Bon, ferme là, oublie pas que t'es flic et que t'es pas censé me casser les couilles. Vous allez la fermer là-bas là. Quoi même? Il aurait fallu prendre l'étage, mais bon, c'est pas grave, on va sortir par le garage. Tango 35, votre 10-20 s'il vous plaît. Vous disiez, sergent? Il est là, 112. T'es là. Dis merde. Je vous en prie. T'as fini ton RA? Je l'ai fini. Je me débrouille pas. Par la voiture. C'est laquelle, nos voitures? Allez, bonsoir, Bobby. Bonsoir. C'est qui, là? Coucou. Et bonsoir, Bobby. 9-4, pardon. Je sais pas, j'oublie. Ça va et toi? Ça va. Pas trop fatigué? Nickel. Oh, ça va. Bon. Ça va, en forme. On est prêt à casser des méchants? Méchant, oui. Je suis avec qui, moi? Ah, je suis le 0... 92? Allez, oui, 92. Ah, ouais, là-bas. Elle est partie. Elle vous a pas de dispatch? Tango 50, si, on est crois, actuellement en 56 d'une Astérop avec des stickers. Je vais lui demander, je vais lui demander. Prendre un nouveau véhicule. Bon, il était compliqué cette arrestation, là. J'ai rien. Eh, j'ai rien. T'as besoin de 35 sur la poursuite? Occupé deux fois, IRB, on veut bien, s'il vous plaît. Il y a des gens... On termine rapidement au 17 et on vous appelle. Ils sont un peu stressés. Voilà. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Le dispatcher à Adam 06. Transmettez. Bon.
pouvez faire un 19 PDP pour récupérer 19 s'il vous plaît. Vous pouvez m'enlever le GPS s'il vous plaît. Ah, j'ai pas entendu votre réponse. Ouais. Alors attendez, je vais l'enlever moi. C'est bon ça. Ok. Donc au 35, 10, 41. Bien pris. 10-4. Je suis désolée, moi j'ai la radio à fond dans les oreilles, vu que je suis coco dispatcher. Et du coup, des fois, j'entends pas forcément tout. Bon, sur le RA, vous avez marqué quoi, du coup? Bah, qu'on est pris par... je vais regarder par la dame... Madame 16? Par l'unité 16, ouais, l'unité 16, ouais. Sur une bagarre de rue, on est arrivé, et le Steve, là, il a commencé à courir. Enfin, le monsieur, il a commencé à courir, on l'a rattrapé. Enfin, on l'a interpellé, et c'est, cette personne a commencé à nous agresser. Vous avez appris ce qui s'est passé en cellule, malheureusement c'est encore plus que ça. Mais des fois vous pouvez changer, modifier. Vous savez faire ou pas? Oui, mais en vrai, il a pris l'amende, on va pas se. Non, non, ça sert à rien d'insister, mais c'est juste pour savoir si vous saviez faire un changement. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Moi, je crois qu'il a. C'est pénible ce truc. 10-4. On va se déployer dans ensuite pour un avoir un problème de cadrage de pneus là, enfin comment on appelle ça, des brages des pneus. Là. Ouais, ça doit être. Ah ouais, donc il a le temps de faire la marche arrière quand même. Vraiment. Bien, sinon on va faire un nettoyage. Vous savez le faire? 35 s'il vous plaît, tout all units, soyez vigilants s'il vous plaît sur les véhicules qui sont statiques, sur les balises GPS, on a des véhicules qui sont ouverts et tractés par des brigands de la ville. Bien pris. Bien pris. Ça va. Des quoi qui sont tractés? Je sais pas. Des véhicules. Ok. Ah, en ouais. Mode ils les volent en les tractant quoi. Ouais. Ils sont pas bêtes. Bah des fois c'est dommage hein, parce que... ils mettent leur cerveau à mauvaise escient. Donc ben c'est dommage quoi. Parce que s'ils étaient du bon côté de la loi, ben ils feraient des choses extraordinaires. Mmh. Mais tu sais ce qui s'est passé Edin? Non. J'étais chez moi, j'étais avec, avec 17, on regardait pour le nouvel intérieur. Ouais. Et on avait laissé la porte ouverte et il y avait ma voiture dedans. Ouais. Les mecs ils sont rentrés chez moi cagoule. Ils m'ont braqué, ils m'ont forcé à donner ses clés. Non. Pour prendre mon véhicule et me demander une rançon. Mais non. Mais je te jure. Mais c'est un truc de dingue ça. Ils sont rentrés chez moi, comme ça. Finalement, ouais. La rançon c'était 5 boîtes de munitions vu que je travaillais à la mine. Ah. Je suis arrivé. Iris elle était un peu plus loin en train de prendre des photos. Ils ont vu Iris, ils l'ont canardé. Littéralement. Ils ont sorti un flingue, ils l'ont. Ils l'ont shooté, ils l'ont pris en note. Wow. Mais c'est un truc de tout un, vous avez porté plainte? Bah je sais pas où il en est le dossier, mais normalement oui. Bah vous pouvez voir hein, maintenant. Vous êtes apte hein. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas ce que 17 elle a fait. Parce que si pas elle a demandé, dossier hein. D'arrestation, sous enquête, moi je lui demanderai plus tard. C'est calme là, non? Même en radio? Oui. Moi, ouais, je veux bien que tu passes au script Théo qu'on a fait. Allez. De 25 à 55, le véhicule dont vous étiez en 10-56, vous l'avez perdu? Si. C'était une Astérope noire avec des stickers jaunes. Ah si. Ah, si. Bon, on l'a retrouvée, on est actuellement à côté de Morningwood. On arrive. Sur mon attention à vous les collègues, ils ont déjà essayé de prendre des gens en otage, hein, si jamais. C'est occupé deux fois. Adam 95, du coup, code 4 sur la... Code 4 Adam, pardon, sur la fusillade grise au niveau de la case. Bien pris. Bien pris, 95. On veut 35-10-19 sur l'année 10-50. Vous avez déjà pensé, mais
n'oubliez pas de faire une photo de la plaque si vous arrivez. Ah non, en train, ouais. C'est où déjà? C'est là? C'est à droite. À droite? Ah oui, là. 42, fin du 10-6. Okay. 10-4. Bonsoir, Maggie. Bonsoir. Ça va, on vient récupérer nos petits menus. Et ben, je vous fais ça de suite. Il n'y a pas de salé pour le moment, parce qu'il manque des trucs. Du coup, la pause, vous avez deux desserts au lieu de du menu. D'accord. Oh, ouais, trop bien. Il y a du monde ce soir qui passe un peu. Ça va, en vrai, de votre. Non, en règle générale. Regarde, il y en a un, il est resté un peu trop longtemps. Si vous pouvez prendre la photo, il y avait un peu trop fort. La pénurie l'a un peu tué. Et du coup, t'as trouvé un MJ? Toujours pas, faut que je fasse une annonce parce qu'en fait, j'attendais que la crise soit finie, mais je vais faire une annonce très très rapidement. Tu me tiens au courant, hein? L'inventaire, est-ce qu'une unité pour nous rejoindre sur ce 35, s'il vous plaît? Je t'appelle dès que j'en ai un. 4-0, madame 16-19. Cool. Allez-y. J'ai un coup de fil perso à passer, j'arrive. Merci. Ok. Allô? Ça va? Ouais, je suis à la mairie là depuis peut-être maintenant une heure et demie. Si j'avais rendez-vous sur l'autoroute, hein, sur le 35. L'état-major est en rendez-vous avec... Le 16-06-10-20, s'il vous plaît. L'état-major en rendez-vous avec le maire? Oui, t'as ma chambre nord et sud. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu fous là-bas? Bah, j'étais en Adam avec le capitaine, du coup, j'ai assisté au rendez-vous. Adam 25, 10-5 ans. Ah, mais tu t'es assis au rendez-vous ou tu t'es droit à attendre? Non, j'ai assis au rendez-vous. Ah, c'est pas ouf? Bon, querelle entre Austin et Diego. Ah bon? Ouais. Ah mince. Bon, d'accord. Bah, nous, c'est vachement calme, hein. Bah nous là il y a eu une voiture qui a tiré au niveau de la frontière Rocksud, ouais. Elle a été neutralisée, sinon on reste calme. Contre-temps, si une autre unité peut raccolter... Bah moi je pense que si c'est, avec nous, c'est, moi, je, si c'est trop calme, j'irai me reposer après. Ok. Bah là à mon avis j'ai pas cherché avec le capitaine parce qu'on a fini le rendez-vous là, il est juste en train de parler avec la référente avec la maire adjointe. Ouais. Et je pense qu'il va vouloir en parler parce que vendredi soir il y a eu une histoire où il y aurait un officier 3 qui aurait manqué de respect, un officier 3 du Nord qui aurait manqué de respect à la maire adjointe. Non, à la référente du Nord. Ouais. Et du coup il a demandé à avoir tous les noms des officiers 3, donc forcément il y a été cité. Et on est tous convoqués demain à 22h à la mairie. Comment ça? Ah, parce qu'il y a un officier 3 qui a manqué de respect à l'autre. Ok. Bon, bah, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Ouais, j'espère aussi. Bon, bah, écoute, je te dis à plus tard. Ouais, longtemps, tu vas traîner longtemps. Non, je pense pas, je pense que je vais finir avec le cap et après je ferai. Tu me tiens au jus? Ouais, bien sûr. Allez. T'inquiète pas. Bisous, mon cœur. Tout à l'heure. Fais-le dans le dedans du café, vu qu'il y a des gens qui sont braqués devant. Qu'est-ce qu'il y a? T'en appelles prochaine fois, passe-le dans le café, mais genre vraiment dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 jours, à 3h du matin, 18, 36 et 20 se sont fait kidnapper et embarquer à Galapagos. Ici? Sachant que c'était ici, ouais. Et il y a Javari et Mani qui sont fait braquer une demi-heure ici aussi devant. Ah bon, d'accord, c'est bon. J'étais pas au courant. T'inquiète, c'est pour ça que je te le dis, c'est un appel à faire, passe-le dedans. Après. Ouais, bah oui, effectivement. Non mais merci de l'avoir dit, après bon c'était pas privé au sens où je m'en fous quoi, mais c'était juste pour pas vous embêter quoi. Oh t'inquiète. D'accord, bon il y a pas trop de problèmes, toi c'est bon, les gens ils se comportent bien avec toi. Tango 50 actuellement en 1038 parking rouge. C'est juste bon, ça braque devant et ça c'est un peu plus pété quoi. Ouais ça c'est embêtant. Ah t'hésites pas à nous appeler s'il y a besoin hein. C'est gentil, merci. Ok, bon je te souhaite une bonne soirée, je te dis à plus tard. La bonne soirée à vous aussi. Bisous. Ah oui c'est bon, je vais faire un tour. Y'a le toutou. Bonsoir. Ça va ou quoi 900? Ça va? Non, c'est... Ça va. Vous allez bien madame? Attends je le... En pire tu sais quoi? Je vais le laisser là le temps que... Hop.
vais chercher juste mon menu. J'arrive. Vas-y. Bon. Allez. Tu veux passer à la canine après? Non, moi je vais faire la H. À la HP? Ouais. T'aimes bien conduire? Ouais, j'aime trop conduire. Y'a des choses que tu sais vraiment pas bien faire ou tu sais à peu près tout déjà? Ouais, le drift. Non, ça va. D'accord. Toi, tu vas faire quoi plus tard? Moi, là, je vais faire pour la CRU. Dépôt sur le passage triplé, là, sur le GoFast, s'il vous plaît. Adam 95 environ. À vos 35, on va converger aussi. Vas-y, on va se mettre côté maison bancarienne. C'est le col? Je suis forêt. Des unités, s'il vous plaît, qui se positionnent au niveau des points stratégiques, donc les frontières principalement. Prenez l'alerton photo, s'il vous plaît. Derrière vous, le scout, parking rouge derrière vous. Derrière vous. Plus d'essence, je peux rien faire. Parking rouge, fugitif qui vient d'être prendre, qui vient d'être volé. Wow. Un pot d'essence, ça. Fugitif, non, mais c'est un véhicule. Ouais, c'est pas par rapport à nous, ça. Non. Unité qui peut venir sur nous. C'est où? Pour la fugitive, une unité qui sera en fait foraine directement au cas où ils vont faire la même chose. Ouais, récupérez-nous. Bah c'est 25 encore. Fugitive, non, c'est tripotin, ça va. FDP, sérieux, franchement, ça me casse les couilles, deux véhicules. Ouais, non, mais là, c'est. Pas 30 minutes, là, il faut les baiser. Allo, 17. Bah, dis donc, Juan. Je suis désolé, là. Bon, quand même. Putain, merde, je veux pas rentrer, c'est bon, je suis rentré. Vous voulez pas content là, hein? Chafouin, hein? Ah, faut les baiser, merde. Mais non, d'accord, le GPS, quoi, s'il vous plaît. 94. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me raconter? Parce que là, j'ai pas suivi. Moi. Attends. Disons attends, 2 secondes, 17, puisqu'il y a tout le monde qui part dans la voiture. Et attends, 2 secondes dans la voiture, merci. Oui, 17, je t'écoute. Ils n'ont pas été recensés. Du coup, je sais pas si quelqu'un s'est annoncé, mais on va à la fête foraine pour le véhicule. 4. Je crois que là on est en train de regarder les balises GPS et il y en a une qui se dirige chantier naval. Je sais pas si c'est une de où. 4, c'est la fugitive, sûrement. Non, mais on est derrière une fugitive là-bas. On est derrière une fugitive qui se dirige vers l'aéroport actuellement. Mais bon, c'est nous. Si, pardon. Ok, 10-4. Allô. Chantier naval, alors on va fermer les accès. Ouais, merci, Tripoli. Ouais, du coup, on se fait braquer en fait. Et on se fait braquer les véhicules, ils nous les volent et ils les mettent à l'eau. Ouais, du coup, en fait, dès que vous faites un 10-38, s'il vous plaît, genre, il faut un autre véhicule avec vous, obligatoirement. En fait. Sinon, c'est mort. Il y en a deux véhicules, il y en a 6, 8, et puis bah, vous êtes mort. Quoi. Enfin, c'est bon. Mais c'est quoi comme. Il y a un type de véhicule de Alors, il y a une Asterop jaune et noire qui est beaucoup sur des lieux. C'est ça, celle ouais. Avec les autocollants. Et les individus étaient habillés en violet. Hein. Des shots fire au niveau de la voiture. Ouais. Ça pourrait être encore les balles. Une descente, au bout d'un moment. Je dis pas que c'est des balles, mais en tout cas, ils aiment bien le violet. Quoi. Ok. Bon, après, ils se revendiquent pas du tout. Non, il n'y a pas eu de revendication. Masque de souris. Masque de souris. Deux dents. Bloqué, s'il vous plaît. Non, venez bloquer ici. Tu vas exploser la voiture. Faites attention à vous. Oui, merci, Ambre. C'est 05 qui vous donne des ordres. De partir. Il y a une Buffalo 1 et une Seraph noire. Là, je vais prendre la Seraph, prenez la Buffalo 1 à Torrent. Plus 4. C'est nous, la Buffalo. Le scoot. Tu fais le véhicule volé. Et apparemment, ils l'ont fait exploser si j'ai bien entendu et compris. J'aurais besoin d'un 10-35 du coup sur la Seraph, s'il vous plaît. C'est bien pris, on arrive. Faites-nous les 10-20 s'il vous plaît. J'appelle le PH. 09, 10-3. Et du coup, tu veux qu'on aille? Pourquoi tu m'as mis? Comment ça se passe en radio? Des tentatives de prise d'otages sur agent et des prises de nos véhicules, du coup, aussi. Encore? Oui. Combien de véhicules? Deuxième, là, on est en poursuite. Ah, il y en a un qui a fini dans l'eau. Il y a actuellement une Torrens qui a fini à l'eau au niveau foraine. De la fête foraine, et là, il y a un deuxième véhicule qui est volé. Ok, la fugitive a été retrouvée, elle est au niveau de l'entrée de chantier naval, elle a été explosée. 96, faites attention sur la poursuite, ils sont potentiellement armés. Mes collègues, ils sont pas potentiellement armés, ils ont tiré sur une fugitive. Ils sont armés.
prenez des précautions et utilisez votre cerveau s'il vous plaît. Il est pas content, tu vois. On a besoin d'une anticipation vu qu'ils veulent prendre des agents en otage. Si ça peut venir sur notre poursuite, s'il vous plaît. Ça marche. On s'en occupe. On peut avoir un 10-20 ? On est Benny direction Est. KDM direction Nord. Direction Ouest, direction Parking Rouge. Prends le lead s'il te plaît, 16. Toi t'arrives à le prendre. Et Parking Blanc direction Ouest. Sur la droite. Sur les Chinois. Non, les Chinois. Je prends 06. Mais en fait là je le garde et dès que tu prends je lâche. De toute façon on va laisser là, je peux les faire mais si on peut aider en aide. On est tout droit, ils sont déjà 3 voitures dessus. Ouais, on peut pas y aller. Non mais... Alors aussi là tu peux décrocher, nous on le tient ici et ça il recolle avec nous. Il parlait de position, sûrement un plan les gars, faites attention. Je vais attendre, je reviens. Bagarshot. Ouais, Bagarshot. On est Bagarshot. 4 Tango 06, on va tenter de les contrer. Essayez de voir c'est quoi le véhicule s'il vous plaît. Le TV, c'est une espèce de club XR. Club XR violette. Direction plage, là, 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 là. Toujours, on monte en circant Marazel du coup. Direction Bagarshot actuellement. On retourne autour de Vespucci. Ok, la montée. Je crois que je veux pas les bloquer. Tu es descendu ? Alors, on a bien la voiture avec nous. On a actuellement deux torrents, deux scouts dessus. On va avoir besoin d'une anticipation. Montée, on est déjà en anticipation. Est-ce qu'ils sont tous descendus du coup du véhicule initial ? Normalement, oui. Faites un check quand même du véhicule. 4. Est-ce qu'une personne du premier scout du coup peut maintenir les coins s'il vous plaît ? Direction Los Santos Custom actuellement. C'est chaud. Un peu fatigué, Minou. Oh, je suis plus. On va toujours Los Santos Custom. On passe devant le musée. Musée maintenant. On va le lit de ça, s'il te plaît. La main, elle est cassée. On est toujours tout droit, direction Aouik. Quoi faire ? On passe devant le Binko. Il y a une autre unité du coup qui peut recoller sur la poursuite. On monte côté Vinewood actuellement. La chaîne est toujours. On redescend direction sur le côté toujours. Ah oui, Binko. T'arrives pas à bien dormir. Ouais, tu veux qu'on y aille ? Pardon ? Tu veux qu'on aille aider ? Attends, je vais. Prends le volant dans 1, 2, 3. On va prendre l'école du coup. On est Arcadius. Vous êtes combien sur l'action Pôle emploi ? On est 3. Ok, 10, 4, c'est bon. Alors, place des cubes. On part ancien PDM. Venise. On part direction ancien Touroud. Direction du Venise. Trans Families. Action casse. Ils sont combien dessus ? Devant la casse. Attends, on part vers Marina. Je vais appeler un peu. Alors, la casse. On prend toujours Marina. 62. 62. Il est tout seul, 62. Il faudrait que quelqu'un recolle sur lui. Moi, je vais réparer, les gars. Je peux pas continuer. On part rail. Non, il avait 42. On part restaurant chinois. Regardez la Torrens. Allez avec eux. Je vais réparer, je reviens. Il nous faut une anticipation, s'il vous plaît, du coup, rapidement. Gars, anticipation, on veut pas dire rester derrière. Il faut anticiper, s'il vous plaît, soyons en parallèle. Vespucci. Faut que je prenne une facile, là. Le dispatch est pas tout le jour, c'est pas normal. Le cinéma. Devant le bas, ça, c'est parce qu'il faut que tu fasses dégueulante. Contre Morning Wood. Ouais, mais moi, je suis co-dispatcher, donc. On est Morning Wood. Oui, allô Bobby. Oui, Tracy, je t'appelle pour te dire le dispatch, la carte dispatch, elles sont pas du tout à jour. T'as 62, il est tout seul dans le dispatch, y'a rien à jour. Oui, non, mais c'est normal parce qu'il avait 42.
Et 42 n'est pas en service là, sur l'état de dispatch. Ah, pardon, excuse-moi. Je bon, ensuite, le rose, 42, c'est moi qui l'ai fait parce qu'il avait pas fait, mais. Devant le tel rose, on commence à perdre visuel. Et là, du coup, je vais faire celle du capitaine et de 09. Ok, d'accord. Si t'as besoin, tu m'appelles. Plus le voir. Pas dit quoi? Si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Ça marche, y'a pas de soucis, vos clients. Bisous, ma belle, à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Non, c'est parce qu'il y avait 42. On reprend Hôtel Rose derrière, au niveau de l'ouest. Dirige vers club. Morning Wood, s'il vous plaît, collègue, prends l'anticipation. Université, on est devant l'université. On dirige vers Core Center. Négatif, on redescend cimetière. Et j'ai 10-50 de notre part, on perd visuel. Morning Wood, direction est. Ancien corps mort. Et sud, nous. Là, on est même pas en anticipation. Perte de visuel. Autour du golf, ouais. Le véhicule, on s'est. Ça va la tête. Ouais, je sais pas ce que j'ai là depuis 30 minutes. C'est depuis que je suis rentré dans le PT. Tu veux que je conduis possible de faire un test du véhicule? Ouais, je vais vite pisser. Attends. Vas-y. Je vais vite pisser en violette. Une photo si jamais. Madame 23 pour 62, vous pouvez répéter la couleur de la voiture et la marque? C'est en violette. 10 en 2. Vous pouvez répéter? C'était une clope hiver violette. Merci. Merci. Rien. Dispatchers à toutes les unités, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez mettre votre dispatch du jour? Bien pris. Bien pris. Adam 95, 10, 17, 20 minutes. Bien pris. Et 4. C'est compliqué ce soir. Ça me donne presque envie de partir sur du vélo. J'ai l'impression que le RP en ce moment c'est long, c'est dur, c'est chiant. Je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous jure, j'ai zéro fun. Je galère à m'amuser en ce moment. Alors, je sais pas si c'est le perso, si c'est le métier qui veut ça, ou si c'est en ce moment sur le serveur, ça pue. Mais je trouve que c'est... Ouais, c'est mou, quoi. C'est mou chez tout le monde, hein. J'ai l'impression que... Je vous dis, moi, j'ai l'impression que l'arc Galapagos, ça... Ça a tout niqué. La patronne s'en va le... Ouais, je te jure. Non, je suis à deux doigts, j'ai envie de partir dessus, je vous dis. Sur le véhicule, Fillette. Le lead canine, je sais pas du tout. Je t'avoue, j'ai aucune idée. Wesh, oh, je l'ai pas vu. Pardon. Moi aussi, je m'attête à. Salut, Patoul. Merci pour ton resub, chérie. Trop pipou, merci. Non, en fait, j'ai l'impression qu'il se passe rien, même, tu vois, même au niveau légal, j'ai l'impression que ça attache. Du coup, tout doit se passer à Rockswood, là, en ce moment, forcément. Rien, la voiture, la orange, je l'ai croisée okay. Sur Vinewood, m'a fait rien de spécial. Après, pour l'instant, il n'y a rien.
c'est juste mort, je trouve. 88, il y a des shotfire à Paletto et il y a eu une backup de, du sergent 26 là-bas. 6406 en compte se renseigner. Il est TPH avec 26. Elle a fait une backup globale 26, donc ça devait être pour le nord.